frères et sœurs, nous croyons au Seigneur en espérant que nous serons enlevés dans le royaume des cieux pour y jouir de la bénédiction éternelle à la venue du Seigneur. Amen. Maintenant que le Seigneur est sur le point d'arriver, on ne s'attendait pas à l'avènement soudain de l'éclair oriental disant que le Seigneur Jésus était revenu. C'est Dieu Tout-Puissant qui fait l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Vous ne trouvez pas ça très bizarre? C'est impossible. Je suis bien d'accord. Ces dernières années, l'éclair oriental s'est développé très rapidement. Ils nous ont volé bon nombre de bonnes brebis, mais également certaines brebis dirigeantes. Plus incroyable encore, ceux qui ont été volés disent avoir été enlevés avant la catastrophe et prétendent souper avec le Seigneur. Alors dites-moi, comment est-ce que c'est possible? Enlevés avant la catastrophe et soupant avec le Seigneur, comment c'est possible? Si tout ça est bien vrai, alors, ça veut dire qu'ils ont accueilli le Seigneur? Frères et sœurs, on n'a pas vu le Seigneur descendre sur un nuage. Pourtant, l'éclair oriental a été témoin de son retour. C'est totalement impossible. Oui, c'est totalement impossible. C'est sûr. Si le Seigneur était vraiment revenu, pourquoi nous n'avons pas été enlevés? C'est vrai, nous aurions dû être enlevés. Je n'hésite pas à le dire. Tous ceux qui ont témoigné du retour du Seigneur doivent être trompeurs. On ne peut absolument pas les croire. Non, il ne faut pas les croire. Frères et sœurs, croire au Seigneur signifie préserver son nom et préserver sa voix. Attendre que sa descente sur un nuage nous mène au royaume des cieux. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, c'est vrai. Frères et sœurs, pour que notre troupeau ne soit pas volé par l'éclair oriental, il va falloir redoubler d'efforts pour nous en protéger. Amen. Pour vous, l'Église a préparé des brochures concernant ce sujet. Collègue Wang, faites-les donc passer. D'accord. Depuis plus d'une décennie, on se protège contre l'éclair oriental de toutes les façons possibles. C'est vrai. Le gouvernement communiste, les pasteurs et même les anciens l'ont tous condamné. Comment ça se fait qu'il y ait de plus en plus de croyants de l'éclair oriental? Est-ce que tu crois que l'éclair oriental pourrait venir de Dieu? Je pense que c'est possible, car les œuvres de Dieu prospèrent tout le temps. Très bien. Lisez attentivement cette brochure sur le boycott de l'éclair oriental. Améliorez nos efforts de défense. Amen. Le département du Front Uni. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils font là? Ils viennent pour nous contrôler, quoi d'autre? En plus de ça, le gouvernement nous impose strictement de réprimer l'éclair oriental. Nous devons nous allier aux efforts du gouvernement pour s'opposer à l'éclair oriental. Amen. Est-ce que tout le monde a compris? On a compris. Mais l'enseignement de l'éclair oriental... Remercions le Seigneur. Parlons plus précisément des mesures préventives contre l'éclair oriental. Seigneur, l'éclair oriental est-il votre manifestation et votre œuvre? Ces dernières années, le gouvernement communiste et les cercles religieux ont condamné l'éclair oriental. Je me suis penché sur la question. J'ai examiné certains documents de propagande. La conclusion à laquelle j'en suis arrivé est que leurs paroles sont vides, remplies de médisances et de blasphèmes. Et malgré tout, aucun fait n'a été présenté. Ce qui explique qu'on a du mal à croire que ces paroles accusatrices puissent être vraies. C'est exactement ça. Par ailleurs, nous autres qui croyons au Seigneur sommes victimes de la traque du Parti communiste. C'est vrai. Nous savons que le Parti communiste chinois est athée. Et combien il résiste à Dieu. Vu la nature diabolique de ce parti, s'il existait des bases factuelles, il lâcherait les médias pour qu'ils s'en emparent et en rajoutent. De même, il se servirait de la loi pour procéder à des condamnations. Le Parti communiste chinois procède de cette façon-là.
Oui, tu as raison. Il est donc très logique que le Parti communiste chinois, qui est un régime athée et qui ne lit pas la Bible, n'ait aucun moyen de savoir quelle religion a raison plus qu'une autre. D'après lui, le christianisme n'est rien qu'une secte. Il a même appelé la Bible un livre de secte. Et comme tout le monde le sait, ce sont des diables qui résistent à Dieu. Il est donc normal que le Parti communiste chinois fasse des remarques irrationnelles et condamne les croyances religieuses à tort et à travers, et propage même des rumeurs, des mensonges, déforme la vérité et renverse complètement la réalité. Oui, c'est vrai. Je crois qu'on peut en conclure que les paroles accusatrices du Parti communiste chinois contre l'éclair oriental sont des mensonges. Et les condamnations de la communauté religieuse contre l'éclair oriental sont entièrement de la propagande. Ont-ils étudié l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours? Non. Ont-ils lu la parole de Dieu Tout-Puissant? Certainement. Je suppose que non. Si on regarde bien leur propagande religieuse, on voit qu'ils n'ont rien étudié du tout. Si on l'analyse de très près, on voit bien que c'est douteux. Ce ne sont que rumeurs et mensonges. C'est vrai que c'est douteux. Si nous voulons percer ces faits à jour, nous devons étudier l'éclair oriental. On devrait l'étudier? Étudier l'éclair oriental? Oui, je pense qu'il le faut. Le frère Zong a raison. Nous qui croyons au Seigneur, nous avons tous été persécutés un jour ou l'autre. Oui, c'est vrai. Ils condamnent notre foi en la traitant de secte et prétendent que le Seigneur Jésus n'est qu'un homme. Ils qualifient même la Bible de livre sectaire et déclarent que nos églises de maison sont illicites. Ils l'ont dit. Ils disent aussi que notre congrégation chrétienne trouble l'ordre public. Ils ne font que nous mentir et ils passent leur temps à déformer la réalité des faits. Qui peut encore croire ces aberrations? Je crois qu'il va falloir faire des recherches. Le PCC est opposé à Dieu. Nous n'avons pas à croire ses remarques et sa condamnation des croyances religieuses. Mais les pasteurs et les anciens, en revanche, ils connaissent la Bible et servent le Seigneur. Alors, si eux condamnent l'éclair oriental, ça veut forcément dire que ce n'est pas la bonne voie à suivre. Je ne suis donc pas d'accord pour étudier l'éclair oriental. C'est juste. Nous devons faire confiance au choix du Seigneur. Et c'est lui qui a choisi les pasteurs et les anciens. Amen. Ils disent toujours que du moment que ce n'est pas le Seigneur Jésus qui descend sur un nuage, ça doit être faux. Celui qui témoigne du retour du Seigneur dans la chair, c'est un menteur. Dieu ne peut être qu'esprit, puisqu'il n'est pas incarné. Amen. Nous ne reconnaissons que le nom du Seigneur Jésus. L'éclair oriental croit à un homme, ce qui ne peut pas être le vrai chemin. Nous ne pouvons pas examiner l'éclair oriental de peur d'être induits en erreur. Quant à nous, attendons que le Seigneur nous enlève dans le royaume des cieux. On ne peut pas se tromper. Amen. On ne peut pas avoir peur d'étudier par peur d'être trompé. Donc il faut l'étudier ou pas? Oui. Collaborateur Wu, collaborateur Wu. Vous croyez tous les deux au point de vue de la plupart des pasteurs et anciens. Et comme eux, vous condamnez l'éclair oriental. Mais avez-vous pris la peine de l'étudier avant? Oui. Si vous n'en avez pas pris la peine, n'est-il pas injustifié de faire ce choix? C'est vrai. Ouais, il a raison. C'est sûr. Je ne peux pas dire si l'éclair oriental est la bonne voie. Je n'en sais rien. Mais il y a un lien entre éclair oriental et la prophétie du Seigneur Jésus. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Oui, il y a un lien, c'est sûr. Qui plus est, la communauté religieuse dans son ensemble reconnaît que le Seigneur va bientôt venir. Certaines personnes pensent même que le Seigneur aurait déjà dû arriver, mais elles ne savent pas où il est apparu pour accomplir son œuvre. Oui, c'est sûr. Pour l'instant, seul l'éclair oriental est témoin du retour du Seigneur qui effectue l'œuvre de jugement en commençant par la maison de Dieu. Peu importe notre opinion, nous devons étudier l'éclair oriental. Est-ce que vous ne pensez pas que j'ai raison? Tu as raison. On devrait l'étudier. Malgré la répression et la persécution fanatique du Parti communiste chinois, l'éclair oriental est fidèle à Dieu. C'est vrai. Oui. Tant de bonnes brebis et de brebis dirigeantes de diverses confessions religieuses ont accepté l'éclair oriental. C'est un exploit de grande envergure.
Il faut bien reconnaître que ce n'est pas ordinaire. À mon humble avis, les brebis dirigeantes et les bonnes brebis ont une bonne compréhension de la Bible. Si elles ont pu accepter l'éclair oriental, ça prouve qu'on peut y trouver la vérité, car aucune de ces personnes n'est stupide. Ce sont des personnes fiables. Nous devons nous réveiller. Pourquoi se fier à l'avis des pasteurs et des anciens? Imaginez que les pasteurs et les anciens se soient égarés. Vous ne croyez pas qu'ils pourraient nous mettre en danger? Oui, c'est trop dangereux. Étudiez l'éclair oriental. Je pense qu'il n'y a rien de mal à ça. Mais pourquoi on n'a pas vu le fanatisme du PCC contre l'éclair oriental? Si nous étudions l'éclair oriental et que nous confirmons que c'est la vraie voie, ça veut dire qu'on doit y croire ensuite? Oui, en effet. Si nous le faisons, nous serons arrêtés et emprisonnés. Ça n'en vaut pas la peine. Autrement, nous refuserions lâchement la vraie voie. À mon avis, il faut bien y réfléchir. Croire devrait nous apporter la paix. C'est exact. Le PCC persécute l'éclair oriental bien plus que nous autres. C'est vrai, ça. Donc, si nous y croyons, nous serons arrêtés et emprisonnés. Alors, je le reconnais, même si c'est la vraie voie. Moi, je n'oserais pas y croire. Pourquoi penses-tu ça? Si je me faisais arrêter, personne ne prendrait soin de ma famille à ma place. C'est compréhensible. Nous avons choisi de croire au Seigneur tout en faisant profil bas. Nous mériterions peut-être d'être emmenés au royaume des cieux quand le Seigneur viendra. Alors pourquoi prendre de tels risques? Comment tu peux dire ça? Oui, comment peut-elle dire ça? C'est dans les épreuves qu'une personne se révèle. Si on est si timide qu'on n'a même pas le courage d'étudier la vraie voie, est-ce que ce n'est pas en vain qu'on croit tous au Seigneur? Quand on décide de croire au Seigneur, n'est-ce pas dans l'espoir de le rencontrer quand il fera son grand retour? Bien sûr. Bien sûr. À présent, l'éclair oriental est la seule église qui témoigne du retour du Seigneur. Et la seule qui ose afficher toutes les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant sur Internet. Afin que tous dans chaque pays l'étudient et l'adoptent. C'est comme si Dieu frappait à notre porte. Amen. Remercions le Seigneur. Celui qui n'étudie pas l'éclair oriental, est-ce qu'il attend comme nous la venue du Seigneur? Pendant ces années de persécution, par le parti communiste chinois, on s'en est sorti en faisant confiance au Seigneur. Oui, c'est vrai. Il a raison. Le Seigneur Jésus a dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps. » Dans la géhenne. Amen. Tout repose entre les mains du Seigneur. Et sans sa permission, le parti communiste chinois ne peut rien nous faire. Amen. Nous devons avoir foi en le Seigneur. La peur d'être persécuté ne doit pas nous dissuader d'étudier la vraie voie. Si l'éclair oriental est bien la manifestation du Seigneur, mais que nous ne l'étudions pas, est-ce que nous ne perdons pas la chance d'accueillir le Seigneur et d'être enlevés? C'est vrai, pas oui. Question de perdre cette chance. Pourquoi est-ce que nous croyons au Seigneur? N'est-ce pas pour la vie éternelle au royaume des cieux? Peu importe les dangers sur le chemin du royaume des cieux, le Seigneur est à nos côtés pour avancer. Amen. Puisque le Seigneur est avec nous, qu'avons-nous donc à craindre? Dans le pire des cas, nous serons des martyrs et nous rendrons gloire au Seigneur. Alors nous n'aurons pas vécu en vain. Amen. Dites-moi, êtes-vous d'accord? Oui. Malgré les arrestations et la persécution du PCC, l'éclair oriental est de plus en plus prospère. L'éclair oriental est probablement la manifestation du Seigneur, le chemin vers le royaume des cieux. Amen. Même si le chemin est très périlleux, on ne peut pas battre en retraite. Oui. Dépêchons-nous d'étudier. Oui. Grâce à Dieu. Il se trouve que je connais des personnes de l'éclair oriental. Oh. C'est vrai? Et si je les invitais, nous pourrions écouter leurs témoignages? Ça, c'est formidable. C'est une excellente idée. Frère Zhang, frère Xu, vous êtes témoin que le Seigneur Jésus est revenu et qu'il apparaît pour œuvrer dans la chair. C'est la première fois que j'en entends parler. Il ne me semble pas avoir jamais lu de tels écrits dans la Bible. Ce que je crois, c'est que le Seigneur descendra sur des nuées.
comme il a été prophétisé dans la Bible. Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Après que le Seigneur Jésus a ressuscité, son corps spirituel est monté au ciel. Quand il reviendra, son corps spirituel descendra sur les nuées. Oui, c'est ça. Mais vous témoignez que Dieu apparaît dans la chair devant des gens dans les derniers jours. Vous pouvez nous en dire plus? Y a-t-il des fondements bibliques qui soutiennent votre témoignage? Nous aimerions que vous nous donniez des explications. Dans la Bible, aucune prophétie ne parle du retour du Seigneur dans la chair. Il n'est fait explicitement mention que de la descente du Seigneur sur une nuée devant le regard de la foule. Amen. Pourtant, vous dites que Dieu est redevenu chair pour accomplir l'œuvre de jugement dans les derniers jours. Ça ne correspond pas à ce que dit la Bible. C'est vrai. Qui plus est, les pasteurs et les anciens disent souvent que tous les témoignages de la venue du Seigneur dans la chair sont faux. Je pense donc que l'incarnation à nouveau du Seigneur est impossible. Votre témoignage, je ne peux pas l'accepter. Je vais simplement attendre que le Seigneur descende sur des nuées et nous emmène au royaume des cieux. Ça ne peut pas être mal. C'est vrai. Ça ne peut pas être mal. Frère Wu, écoutons simplement ce qu'ils ont à dire. Échangeons. Il est donc impossible que le Seigneur revienne dans la chair. Est-ce que c'est ce que vous pensez? Il est explicitement écrit dans la Bible que le Seigneur reviendra dans la chair. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous ne l'avez pas vu. La Bible regorge de prophéties concernant le retour du Seigneur, et celles concernant le retour du Seigneur dans la chair sont particulièrement explicites. Par exemple, quand le Seigneur Jésus disait « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Amen. Le Seigneur Jésus a prophétisé maintes fois qu'il reviendrait sous la forme du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme désigne Dieu incarné. Il s'agit du Seigneur Jésus dans la chair, ayant l'apparence d'une personne tout à fait ordinaire, qui mange, boit, dort et marche comme un homme. Mais après sa résurrection, son corps spirituel avait changé. Il pouvait traverser les murs, s'estomper, réapparaître. On ne pourrait donc pas l'appeler le Fils de l'homme, car il était surnaturel. Dans une prophétie, le Seigneur Jésus a dit « Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Vous avez dit que le Seigneur reviendrait sous la forme d'un corps spirituel qui descendra sur une nuée dans une grande gloire, et tous devront se prosterner et l'adorer. Qui oserait alors lui résister et le condamner? Le Seigneur Jésus a dit « Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Comment ces mots seront-ils accomplis? C'est vrai. C'est seulement quand Dieu incarné apparaît pour œuvrer comme le Fils de l'homme, quand on ne sait pas que c'est lui, qu'on ose rejeter le Christ en se basant sur des notions personnelles. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est le cas? Oui, c'est vrai que c'est le cas. Le Seigneur Jésus a également prophétisé. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen. Si le Seigneur devait descendre sur une nuée dans un corps spirituel, alors tout le monde pourrait le voir. Pourtant, le Seigneur Jésus a prophétisé qu'à son retour, ce serait personne ne le sait, ni le Fils, et comme un voleur, alors comment est-ce possible? S'il devait réapparaître dans un corps spirituel, le Seigneur serait au courant? C'est seulement quand Dieu devient chair en tant que Fils de l'homme dans les derniers jours, devient une personne normale, ordinaire, que les paroles que le Fils ne connaîtra pas seront réalisées. Pareillement, le Seigneur Jésus, avant d'exercer son ministère, ne connaissait pas lui-même son identité de Christ, venu réaliser l'œuvre de rédemption. C'est pourquoi le Seigneur Jésus priait souvent Dieu le Père, jusqu'à ce qu'il commence à accomplir son ministère et qu'il réalise son identité. Amen. Vous ne trouvez pas plus réaliste de le recevoir ainsi? Vous pensez toujours qu'il n'y a pas de prophétie dans la Bible disant que le Seigneur reviendra dans la chair? Plus maintenant. C'était la prophétie faite par le Seigneur Jésus.
est-ce que le Fils de l'homme ne se rapporte pas à Dieu incarné? Allez-vous dire que vous n'acceptez pas cette idée? C'est vrai. Je n'y ai jamais pensé comme ça. Leurs explications sur la prophétie sont tellement claires. C'est vrai. Il semblerait que la Bible ait bien prédit que le Seigneur reviendrait dans la chair. On a souvent lu ces paroles du Seigneur Jésus. Pourquoi on ne l'a pas vu de cette façon? Oui, pourquoi on ne l'a pas vu? Maintenant que vous l'avez vu, ne pensez-vous pas que le Seigneur reviendra dans la chair? Ah oui, bien si. Certaines personnes pensent que si le Seigneur devait retourner dans la chair, il l'aurait certainement dit de façon plus explicite. Pourquoi alors parler de manifestation du Fils de l'homme? Oui, pourquoi? C'est la nature même des prophéties. Une prophétie est par essence implicite. Si le retour dans la chair avait été mentionné, ce ne serait rien de plus que du langage ordinaire. Quand on est perspicace et qu'on approfondit l'expression « fils de l'homme », on comprend quel est son sens et on réalise qu'implicitement, il s'agit d'incarnation. Dans le passé, nous qui croyons au Seigneur n'avions pas compris ça. Ça n'est devenu explicite que lorsque Dieu Tout-Puissant a révélé le mystère de l'incarnation. Il se trouve que la prophétie de la Bible, l'avènement du Fils de l'homme, signifie en fait l'incarnation. D'accord, je vois. C'est logique. Puisque nous sommes certains maintenant que le retour du Seigneur se fait dans la chair, comment pouvons-nous être certains qu'il est la manifestation de Dieu dans la chair? Oui, parlez-nous-en. Il faut pour cela reconnaître la voix de Dieu. S'il est la manifestation du Fils de l'homme dans la chair, c'est sûr qu'il peut exprimer de grandes vérités. Il pourra expliquer clairement l'origine et l'objectif de l'œuvre de Dieu. Il pourra aussi exécuter une étape de l'œuvre en exprimant la vérité. C'est donc ainsi que ça fonctionne. Dieu Tout-Puissant, alors qu'il était incarné dans les derniers jours, a exprimé toutes les vérités pour purifier l'humanité, puis accompli l'œuvre de jugement en commençant par la maison de Dieu. Amen. La parole exprimée par Dieu Tout-Puissant est celle prononcée par le Saint-Esprit aux églises. Dieu parle dans la chair afin de frapper aux portes de ceux qui souhaitent vivement sa manifestation. Amen. Ceux qui perçoivent la parole de Dieu Tout-Puissant comme la vérité et la voix de Dieu sont les vierges sages qui sont amenées devant Dieu pour participer au banquet des noces de l'agneau. Amen. Formidable. Remercions Dieu. Ils mangent et boivent chaque jour les dernières paroles du Saint-Esprit. Ils vivent l'œuvre de Dieu. Et ils vérifient que c'est bien l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Ils commencent à témoigner devant diverses confessions religieuses que le Seigneur Jésus est revenu en Dieu Tout-Puissant incarné. Amen. Et laissent les gens écouter la voix de Dieu. L'expression de Dieu Tout-Puissant, la parole apparaît dans la chair. Amen. La parole apparaît dans la chair. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? C'est la prophétie du Seigneur Jésus. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !»« Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Amen. Remercions le Seigneur. Oui, remercions-le. Ceux qui ne reconnaissent pas la voix de Dieu et qui condamnent et jugent l'œuvre de Dieu dans les derniers jours sont les vierges folles qui sont révélées et qui seront éliminées. Exact. Ces personnes ne pourront que se lamenter en grinçant des dents dans le désastre. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous paraît logique? Pour ce qui est d'accueillir le Seigneur, si nous fixons notre attention sur le ciel pour voir le Seigneur sur une nuée, sans prêter du tout attention à la voix de Dieu, ni rechercher le discours du Saint-Esprit aux églises, mais en écoutant la parole des pasteurs et des anciens, et en accusant de mensonges tous les témoignages du retour du Seigneur dans la chair, est-ce qu'on ne va pas à l'encontre de la Bible? C'est sûr. C'est certain. Qu'est-ce qui est dit dans la Bible? L'apôtre Jean l'a clairement affirmé, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue. Et qui maintenant est déjà dans le monde. Le refus des pasteurs et des anciens et leur condamnation de l'incarnation de Dieu sont-ils conformes à la Bible? Ils ne le sont pas. Selon eux, les témoignages concernant le retour du Seigneur dans la chair sont faux. Est-ce que ce ne sont pas des paroles trompeuses? C'est vrai. Si l'on en croit les paroles de l'apôtre Jean, les pasteurs et les anciens qui rejettent en bloc l'incarnation ne sont-ils pas simplement des antéchrists? Si.
Si vous écoutez les inepties trompeuses répandues par les pasteurs et les anciens, pourrez-vous accueillir le Seigneur? Je ne crois pas. Verrez-vous la manifestation de Dieu? Pourrez-vous être amené devant Dieu comme le sont les vierges sages? Non. Comment peut-on découvrir la manifestation et l'œuvre de Dieu? Mais comment faire? Je vais lire deux passages des paroles de Dieu Tout-Puissant, après vous le saurez. Formidable. Dieu Tout-Puissant dit : celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'essence de Dieu. Et celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'expression de Dieu. Puisque Dieu se fait chair, il doit manifester l'œuvre qu'il doit faire. Et puisque Dieu se fait chair, il doit exprimer ce qu'il est. Et doit être capable d'apporter la vérité à l'homme, de donner la vie à l'homme et de montrer le chemin à l'homme. Amen. Amen. La chair qui ne contient pas l'essence de Dieu n'est sûrement pas le Dieu incarné. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Amen. Pour savoir si c'est la chair du Dieu incarné, l'homme doit le déterminer à partir du tempérament qu'il exprime ainsi que par ses paroles. Autrement dit, l'on devrait s'appuyer sur son essence pour savoir si oui ou non c'est la chair de Dieu incarné. Et si oui ou non c'est le vrai chemin. Et ainsi, en déterminant si oui ou non c'est la chair de Dieu incarné, l'important, c'est prêter attention à son essence, son œuvre, sa parole, son tempérament et beaucoup plus, plutôt que sur l'apparence extérieure. Si l'homme ne voit que son aspect extérieur et oublie son essence, alors cela montre l'ignorance et la naïveté de l'homme. Absolument correct, oui. Puisque nous cherchons les pas de Dieu, nous devons rechercher la volonté de Dieu, les paroles de Dieu, les déclarations de Dieu. Car là où il y a les nouvelles paroles de Dieu, il y a la voix de Dieu. Et là où il y a les pas de Dieu, il y a les actions de Dieu. Là où il y a l'expression de Dieu, il y a apparition de Dieu. Et là où il y a apparition de Dieu, la vérité, le chemin et la vie existent. Amen. Pendant que vous êtes à la recherche des pas de Dieu, vous n'avez pas conscience des paroles que Dieu est la vérité, le chemin et la vie. Donc, quand beaucoup de personnes reçoivent la vérité, ils ne croient pas qu'ils ont trouvé les pas de Dieu. Et reconnaissent encore moins l'apparition de Dieu. Quelle grave erreur! L'apparition de Dieu ne peut être conciliée avec les conceptions de l'homme. Et encore moins Dieu peut-il apparaître à la demande de l'homme. Dieu fait ses propres choix et ses propres plans quand il fait son travail. De plus, il a ses propres objectifs et ses propres méthodes. Amen. Il n'est pas nécessaire pour lui de discuter du travail qu'il fait avec l'homme ou de demander l'avis de l'homme. Encore moins d'avertir chaque personne. C'est le tempérament de Dieu et, de plus, il devrait être reconnu par tout le monde. Si vous désirez voir l'apparition de Dieu, si vous souhaitez suivre les pas de Dieu, alors vous devez d'abord transcender vos propres conceptions. Vous ne devez pas exiger que Dieu fasse ceci ou cela, et encore moins si tu le places dans tes propres limites, et le limite à tes propres conceptions. Au lieu de cela, on devrait demander comment chercher les pas de Dieu, comment accepter l'apparition de Dieu et comment se soumettre à la nouvelle œuvre de Dieu. C'est ce qui doit être fait par l'homme. Amen. Puisque l'homme n'est pas la vérité et ne possède pas la vérité, l'homme doit chercher, accepter et obéir. Amen. 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 Dieu Tout-Puissant a bien expliqué la manifestation et l'œuvre de Dieu. C'est la toute première fois que j'entends sa parole. Grâce à Dieu. La parole de Dieu Tout-Puissant est vraiment la vérité. Mon cœur est éclairé après ses paroles. Formidable. Amen. Remercions le Seigneur. Et dire que j'ai cru pendant des années ce que disaient les pasteurs et les anciens. J'ai été empli de notions dénuées de sens pratique. J'ai tellement honte de moi. Concernant la façon d'accueillir le Seigneur, je m'en tiens strictement à la Bible. Je regardais le ciel en attendant que le Seigneur en descende, sans même prêter attention à sa voix. J'étais convaincu
par mes idées et mon imagination, que Dieu ne pourrait pas devenir chair pour apparaître. J'étais tellement arrogant et ignorant. Heureusement, après vous avoir entendu aujourd'hui, j'ai appris que Dieu était depuis longtemps incarné en secret parmi les êtres humains pour accomplir l'œuvre de jugement en commençant par la maison de Dieu. Nous avons été trompés par les pasteurs et les anciens. Maintenant, on a pu étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Heureusement, on a encore une chance d'être enlevés à son retour. Remercions Dieu de ne pas nous avoir abandonnés. Qui est-ce ? C'est moi. C'est frère Wang. C'est frère Wang. Frère Wang, frère Xi. Pasteur Qian, vous êtes là? Zongzin, l'Église a interdit de recevoir des gens de l'éclair oriental et de lire la parole de Dieu Tout-Puissant. Comment oses-tu enfreindre le règlement de l'Église en étudiant en privé l'éclair oriental? Et tu entraînes les autres pour qu'ils écoutent leur sermon. Comment oses-tu nous faire ça à nous, pasteurs et anciens? Oui, comment oses-tu? Si les frères et sœurs sont trompés et dévoyés, ce sera uniquement par ta faute. C'est vrai ça? Tu en prendras la responsabilité? Du calme. Pasteur Qian, pourquoi tu nous empêches toujours de lire la parole de Dieu Tout-Puissant? Vous ne parlez que de connaissances bibliques et de concepts théologiques. Les frères et sœurs n'arrivaient pas à être nourris de vie et ont plongé dans l'obscurité spirituelle. L'Église est dans la désolation. Vous n'êtes pas au courant, peut-être? C'est vrai. Faut-il que l'on reste piégé à tout prix? Quand nous entendons la parole de Dieu Tout-Puissant, nous en sommes rassasiés. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas l'étudier? C'est vrai, ça. Dieu est déjà apparu et a déjà accompli son œuvre. Pourquoi ne pas nous laisser écouter sa voix? Quelle est votre motivation? Pourquoi vous ne pensez pas à la vie de vos frères et sœurs? Je ne vous laissais pas étudier l'éclair oriental de peur que vous ne soyez trompés. Je voulais juste vous protéger. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas écouté? Vous ne connaissez pas la lumière de la vérité. Et selon vous, on devrait vous écouter. Pouvez-vous représenter le Seigneur? Connaissez-vous la vérité? Nous guiderez-vous jusqu'au royaume des cieux? Oui, ah oui, il a raison. Le Seigneur Jésus est celui en qui nous croyons. Pas vous, les pasteurs et les anciens. Nous sommes les brebis du Seigneur, pas les vôtres. C'est au Seigneur Jésus que j'ai confié ma vie. Pourquoi restreignez-vous notre liberté de religion? Appartenez-vous au gouvernement communiste chinois? Pourquoi nous empêcher d'étudier la vraie voie? Quelle est votre motivation profonde? Pasteur, assez perdu de temps. Allons appeler la police pour qu'ils arrêtent les membres de l'éclair oriental. Oui, fais-le tout de suite. Qu'est-ce que vous alliez faire? Qu'est-ce qui se passe? Pasteur Qian, nous ne pourrons pas nous entendre. Mais pourquoi est-ce que vous appelez la police? Police. Comment pourrais-tu faire cela? Ce serait trahir le Seigneur et nos amis. Il ne peut pas faire ça. Dénoncer au régime de Satan des frères qui croient en Dieu, c'est un acte malfaisant contre Dieu. C'est un grave péché. Ah ben, c'est vrai, c'est un péché. Quel péché? Qui est-il contre Dieu? Je veux seulement protéger le troupeau. Les gens de l'éclair oriental volent mes brebis. Il faut que je les dénonce. Attendez, où est-ce que vous allez? Arrêtez. Non, mais suffit. Arrêtez. Pasteur Qian, Zongzin et les autres ont l'air d'avoir accepté l'éclair oriental. Il est trop tard pour les récupérer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas trop le choix. S'ils font la sourde oreille, il faut appeler la police. Très bien. Dorénavant, gardez un œil sur Zongzin. Appelez la police dès que vous le revoyez avec l'éclair oriental. Il faut qu'on les ait. Bien. On n'a malheureusement pas d'autre solution que d'appeler la police. Autrement, l'éclair oriental continuera à nous voler nos brebis. Très bien, on va faire ce qu'il faut. Je n'aurais jamais cru le pasteur Qian capable d'appeler la police pour faire arrêter des gens qui croient en Dieu. Sa véritable nature nous avait échappé jusque-là. C'est quand on se met à étudier la vraie voie et à prêter attention à la voix de Dieu que ces gens révèlent leur malveillance. Eh oui. Ça me fait penser au moment où le Seigneur Jésus est apparu pour œuvrer.
Les grands prêtres, mais aussi les scribes du judaïsme et les pharisiens, ont résisté au Seigneur et l'ont condamné. Je sais. Sans la manifestation et l'œuvre du Seigneur, qui se serait aperçu de la vraie nature et de l'hypocrisie des grands prêtres, ainsi que des scribes et des pharisiens? De ce que je comprends, c'est la parole de Dieu Tout-Puissant qui est la voix de Dieu. C'est la manifestation et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant qui ont révélé ses pasteurs et ses anciens. Ah, cette fois-ci, j'ai appris une grande leçon. Oui, ce que tu dis est correct. Si on n'avait pas étudié le vrai chemin et entendu la voix de Dieu, personne n'aurait vu que les pasteurs et les anciens sont les pharisiens d'aujourd'hui. Comment a-t-on réussi à révéler leur malveillance au grand jour? La parole de Dieu, son œuvre et sa manifestation sont révélatrices. Ces pasteurs et ces anciens, ils ont osé appeler la police pour faire arrêter les témoins de Dieu. J'ai trouvé ça tellement inattendu. C'est sûr. Ce qui est arrivé aujourd'hui, ça m'a fait penser aux paroles du Seigneur Jésus. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, « Il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. » Amen. Ces pasteurs et ces anciens, ils sont malfaisants. Sans le retour du Seigneur qui a révélé leur véritable nature, qui aurait pu deviner leur jeu et les désavouer? Les brebis de Dieu auraient été trompées par leur manigance, affamées et piégées à mort. C'est lorsque nous avons entendu sa voix que le Seigneur nous a arrachés des mains de ces êtres malfaisants. Papa a raison. Tu as raison. Je ne sais pas combien de fois j'ai pu lire et relire ce passage. Je ne comprends son sens qu'aujourd'hui. Le Seigneur est revenu et a démasqué ses mauvais serviteurs. Ces pasteurs, anciens et serviteurs du Seigneur, tous ceux qui ne reconnaissent pas Dieu incarné, sont de faux bergers et des antéchrists. Ces gens-là, ce ne sont que des mauvais serviteurs. Et nous avons vu leur véritable visage aujourd'hui. C'est vrai. Louons le Seigneur. On a eu droit à la grâce de Dieu. Il ne nous a pas abandonnés. Il nous a fait entendre la voix de Dieu et connaître l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. C'est une immense bénédiction. Oui. Remercions le Seigneur. Nous lui devons tellement. Ah, bonsoir tous les trois. Ming Ming, te voilà. On t'attendait, chérie. Viens t'asseoir là. Comment ça va, les cours? Pas trop difficile? Grâce à Dieu, nos frères et nos sœurs vont très bien. Quand ils apprennent qu'il y a une assemblée, ils accourent. Cheers.
Commençons l'assemblée. Cet hymne est tellement exaltant. On voit que c'est la voix de Dieu. C'est vrai. Dieu est le semeur, mais aussi le moissonneur. Toutes les semailles et les moissons sont effectuées par Dieu lui-même. Tu as raison. Quel bonheur d'entendre la voix de Dieu et de nous réjouir du retour du Seigneur. Nous le devons à la grâce de Dieu. C'est vrai, oui, tu as raison. Nous sommes tous bénis. Oui, grâce à Dieu. Frères et sœurs, c'était l'hymne de la parole de Dieu. Dieu est le commencement et la fin. Si nous sommes tous enthousiasmés et pleins d'énergie, c'est parce que nous sentons que c'est la voix et l'expression de Dieu. Oui. Amen. C'est la preuve que les brebis de Dieu sauront reconnaître la voix de Dieu. Amen. 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 Grâce à Dieu. À présent, tout le monde peut confirmer dans son cœur que la parole de Dieu Tout-Puissant est bien la voix de Dieu. Exact. Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus de retour. Amen. Amen. Grâce à Dieu. Certains de nos frères et sœurs ne comprennent peut-être pas la vérité de l'incarnation. Il leur est donc difficile de bien rester sur la vraie voie. Il faut nous expliquer davantage de vérité. Dans l'assemblée d'aujourd'hui, nous allons justement parler davantage de la vérité de l'incarnation. Oui, d'accord. Lisons d'abord la parole de Dieu Tout-Puissant. Écoutons bien les paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit : le sens de l'incarnation et que Dieu apparaît dans la chair, et qu'il vient travailler parmi les hommes de sa création revêtus de chair. Ainsi, pour que Dieu soit incarné, il doit d'abord être fait de chair, d'une chair avec une humanité normale. Ceci, tout au moins, doit être vrai. En fait, l'implication de l'incarnation de Dieu et que Dieu vit dans la chair et œuvre dans la chair. Dieu, dans son essence même, devient chair, devient un homme. Amen. Le Christ, avec l'humanité normale, est une chair dans laquelle l'Esprit se réalise possédant l'humanité normale, la raison normale et la pensée humaine. Être réalisé signifie que Dieu devient homme. L'Esprit devient chair. Pour le dire clairement, c'est quand Dieu lui-même habite une chair, avec une humanité normale. Et par la chair de l'humanité normale, exprime son œuvre divine. C'est ce que signifie être réalisé, et qui signifie aussi être incarné. Amen. C'est donc ça l'incarnation, uniquement ça.
Le Dieu incarné s'appelle le Christ. Et le Christ est la chair que revêt l'Esprit de Dieu. Cette chair ne ressemble à aucun homme qui est fait de chair. Cette différence tient au fait que le Christ n'est pas de chair et de sang, mais il est l'incarnation de l'Esprit. Il possède à la fois une humanité normale et une divinité complète. Sa divinité n'est possédée par aucun homme. Son humanité normale sustente toutes ses activités normales dans la chair, tandis que sa divinité réalise l'œuvre de Dieu lui-même. Que ce soit son humanité ou sa divinité, toutes deux sont soumises à la volonté du Père céleste. L'essence du Christ est l'Esprit, c'est-à-dire la divinité. Par conséquent, son essence est celle de Dieu lui-même. Cette essence ne va pas interrompre sa propre œuvre. Et il ne pourrait pas faire quelque chose qui détruise sa propre œuvre, de même qu'il ne va jamais prononcer des mots qui vont contre sa propre volonté. Amen. Amen. Tout à fait, c'est vrai. Frère Zhang, je peux lire? Bien sûr. Dieu s'est fait chair et est appelé le Christ. Et ainsi, le Christ, qui peut donner la vérité au peuple, est appelé Dieu. Il n'y a rien d'excessif à ce sujet. Car il possède l'essence de Dieu et possède le tempérament et la sagesse de Dieu dans son œuvre qui sont inaccessibles par l'homme. Amen. Amen. Ceux qui se font appeler Christ, mais ne peuvent pas faire le travail de Dieu, sont des imposteurs. C'est vrai. Christ n'est pas seulement la manifestation de Dieu sur la terre, mais plutôt la chair particulière assumée par Dieu pendant qu'il réalise et accomplit son œuvre parmi les hommes. Cette chair ne saurait être remplacée par un homme quelconque, mais c'est laquelle qui peut entreprendre suffisamment le travail de Dieu sur la terre et exprimer le tempérament de Dieu, et bien représenter Dieu et donner la vie à l'homme. Amen. Bien, nous arrêterons là la lecture. Frères et sœurs, nous croyons au Seigneur. Et bien que nous sachions que le Seigneur Jésus est l'incarnation de Dieu, personne ne peut vraiment comprendre la vérité de l'incarnation. Alors Dieu Tout-Puissant est venu dans les derniers jours et a révélé le mystère de la vérité de l'incarnation. Grâce à Dieu. Magnifique. Dans les passages de la parole de Dieu que nous avons lus, Dieu Tout-Puissant a clairement expliqué la vérité et le mystère de l'incarnation. En termes simples, l'incarnation est l'Esprit de Dieu réalisé dans la chair d'une personne. L'incarnation, c'est l'Esprit de Dieu se revêtant d'une chair humaine ordinaire et normale et qui apparaît et œuvre parmi les hommes. Amen. C'est donc ça l'incarnation? Oui, uniquement. À l'ère de la grâce, Dieu est devenu chair dans le Seigneur Jésus pour accomplir son œuvre de rédemption. Dans l'ère du règne, Dieu s'est incarné comme Dieu Tout-Puissant pour accomplir son œuvre de jugement dans les derniers jours. Amen. Dans ces deux cas d'incarnation de Dieu, on constate que non seulement le Dieu incarné adopte une humanité tout à fait normale, mais il est aussi entièrement divin. Tout le monde peut ressentir l'humanité normale du Dieu incarné. Elle n'est pas du tout surnaturelle. Il mange et vit comme une personne ordinaire, avec des émotions normales. Il est impossible pour l'homme de voir à l'œil nu la divinité complète de l'incarnation. Seule l'œuvre accomplie par Dieu et la vérité qu'il exprime, la sagesse et les possessions de Dieu et ce qui est révélé par Dieu peuvent le confirmer. Vu de l'extérieur, l'incarnation de Dieu n'a rien d'exceptionnel. C'est une personne ordinaire, qui n'est pas supérieure et n'a rien de surnaturel. Et pourtant, l'essence de Dieu incarné est divinité. Et donc, le Christ peut exprimer la vérité, exprimer ce que Dieu a et est à tout moment et en tout lieu. Amen. Il peut accomplir l'œuvre de Dieu. Amen. Ce que personne ne peut faire, posséder ou atteindre. Amen. Le Christ exprime la parole de Dieu et accomplit l'œuvre de Dieu avec une humanité normale.
Ce que voient les gens, c'est une personne qui travaille et qui parle et qui est tellement concrète et parfaitement réelle. Elle est similaire au Seigneur Jésus incarné, qui semble être quelqu'un de très ordinaire extérieurement, qui vit une vie normale au milieu des gens. Amen. Mais le Seigneur Jésus a exprimé de nombreuses vérités et donné à l'homme la voie de la repentance. Amen. Le Seigneur Jésus a pardonné les péchés de l'homme et a exprimé l'amour et la clémence du tempérament de Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus a aussi accompli miracles et merveilles. Il a réussi à calmer le vent et la mer, à nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, et il a ressuscité les morts. Ce qui a pleinement révélé la puissance et l'autorité de Dieu. Enfin, le Seigneur Jésus a achevé son œuvre de rédemption de l'humanité par sa crucifixion. Amen. Amen. Il ne fait donc aucun doute que les mots et l'œuvre du Seigneur Jésus sont les mots et l'œuvre de Dieu lui-même. Amen. Le Seigneur Jésus est donc le Dieu incarné. Amen. Grâce à Dieu. Après tout ce que l'on a dit, est-ce que vous comprenez mieux à quoi on peut reconnaître l'incarnation de Dieu ? Grâce à Dieu, c'est très clair. Pour comprendre l'incarnation de Dieu, il faut savoir comment écouter la voix de Dieu, mais aussi voir le tempérament de Dieu, sa sagesse et son omnipotence, et les possessions de Dieu et son être à partir de la parole et l'œuvre du Christ. C'est de cette façon qu'on peut être certain qu'il s'agit bien entièrement de l'œuvre et de la parole de Dieu incarné. Amen. Est-ce que vous êtes tous d'accord ? Oui. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Cette fois, je comprends un peu mieux. Pasteur Kian, le chef du département du travail du Front Uni vous remercie d'avoir aidé le gouvernement à arrêter les membres de l'Éclair Oriental. Vous savez, c'est bien normal, monsieur le directeur Wu. Je ne fais que mon devoir. Dieu Tout-Puissant révèle au grand jour le mystère et la vérité de l'incarnation. Sans la parole exprimée par Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, l'humanité corrompue ne pourra pas comprendre la vérité de l'incarnation, même si elle croit au Seigneur Jésus depuis longtemps. Exact. Exact. Personne ne peut découvrir le mystère et la vérité de l'incarnation. Amen. Amen. C'est tout à fait vrai. Oui, parfaitement. Le Dieu Tout-Puissant incarné, vu de l'extérieur, est une personne très ordinaire. Il vit parmi les gens une vie tout à fait normale et n'a rien de surnaturel. D'accord. Mais Dieu Tout-Puissant a exprimé toutes les vérités nécessaires pour sauver l'humanité, révélant toutes les vérités et les mystères du plan de gestion de Dieu, en commençant par la maison de Dieu dans les derniers jours. Amen. Dans les paroles de Dieu Tout-Puissant, on comprend l'objectif du plan de gestion de Dieu. La signification de l'œuvre de Dieu pour le salut de l'humanité en 3 étapes. Ouais. Le mystère de l'incarnation de Dieu, la véritable histoire de la Bible. On comprend également comment Satan a corrompu l'humanité, l'essence et le fait de la corruption de l'homme par Satan. Comment Dieu sauve l'humanité. La signification de l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours. Comment Dieu accomplit l'œuvre de jugement pour la purification et le salut de l'homme. Comment Dieu détermine la destination et le sort des personnes en fonction de leur type. Comment le royaume du Christ est accompli sur terre et ainsi de suite. Amen. Dieu a exprimé de nombreuses vérités. Réfléchissez-y. Qui d'autre que Dieu aurait pu exprimer ces vérités et révéler le mystère de Dieu lui-même ? Personne d'autre que Dieu. Qui peut déterminer le sort et les destinations de l'humanité ? Qui est à même d'accomplir l'œuvre de jugement dans les derniers jours pour la purification et le salut de l'homme ? Dieu seul. Tout à fait. Seul Dieu peut accomplir cette œuvre. Exact. Seul le Dieu incarné peut véritablement œuvrer ainsi pour sauver l'homme. Amen. Amen. C'est donc l'œuvre accomplie par Dieu du ciel, devenue incarnée. Amen. Amen. Grâce à Dieu. C'est bien ça. La vérité de l'incarnation, elle semble simple, mais elle est très profonde. La partie la plus simple, c'est que ceux qui croient au Seigneur Jésus reconnaissent que le Seigneur Jésus est le Dieu incarné. La partie la plus profonde, c'est que pas un seul de ceux qui ont cru au Seigneur pendant des années ne peut reconnaître que le Seigneur Jésus est la manifestation de Dieu lui-même. Dans les derniers jours, Dieu est devenu chair et a exprimé tant de vérités. Dites-moi, qui pourrait savoir que le Seigneur Jésus est revenu ? Personne. Et qui pourrait confirmer que seul le Christ peut donner toutes les vérités nécessaires au salut de l'humanité ? Que lui seul peut révéler tous les mystères du plan de gestion de Dieu ? Personne ne le peut. Personne ne le peut. On n'a pas encore trouvé une telle personne dans toute la communauté religieuse.
C'est vrai. Oui, c'est vrai. Au moment du contact, l'homme voit clairement l'humanité du Christ. L'homme peut même générer toutes sortes de notions à cause de l'humanité normale du Christ. Pourtant, nombre de personnes ne peuvent pas comprendre l'essence de la divinité du Christ. Alors, quand le Seigneur Jésus revient dans la chair accomplie, son œuvre de jugement dans les derniers jours, même ceux qui ont cru au Seigneur pendant de nombreuses années pourraient quand même résister au Seigneur et le trahir. À présent, grâce à la parole de Dieu Tout-Puissant, on a compris la vérité de l'incarnation. Plus nous lisons la parole de Dieu Tout-Puissant et faisons l'expérience de son œuvre, et plus nous pouvons reconnaître dans nos cœurs que toutes les paroles qu'il exprime sont la vérité. Amen. Quels sont le tempérament de Dieu et ce qu'il a et est. Amen. L'expression Dieu Tout-Puissant est suffisante pour prouver qu'il est la venue du Saint-Esprit de la vérité. Oui, bien sûr. Dieu Tout-Puissant est donc la manifestation du seul vrai Dieu. Amen. Remercions Dieu. La parole de Dieu Tout-Puissant et les témoignages de frère Zhang et frère Xu nous ont véritablement ouvert les yeux. C'est vrai. Dieu Tout-Puissant a en effet révélé toutes les vérités et tous les mystères de l'incarnation. Avant aujourd'hui, je n'avais pas réalisé que l'œuvre de jugement accomplie par Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours a pleinement réalisé toutes les prophéties du Seigneur Jésus. Amen. L'incarnation de Dieu est effectivement un immense mystère. Il est plus facile pour ceux qui aiment la vérité d'accepter le Dieu incarné. Quand on n'aime pas la vérité, on est beaucoup plus prompt à le condamner et à lui résister. La plus grande preuve qu'il est le Dieu incarné est le fait qu'il exprime toute la vérité. À part le Christ, personne ne peut exprimer la vérité. Amen. Seul celui qui peut exprimer la vérité et exprimer la voix de Dieu et accomplir l'œuvre de Dieu est le Dieu incarné. Je ne l'avais pas vu clairement jusqu'à aujourd'hui. Remercions Dieu. La parole de Dieu Tout-Puissant m'a éclairé. Et c'est Dieu qui m'en a fait grâce. Si nous n'avions pas lu ces paroles aujourd'hui, jamais je n'aurais pu confirmer que Dieu Tout-Puissant est le retour du Seigneur Jésus. Je serais encore trompé et lié par les pasteurs et les anciens, vivant dans l'obscurité comme un aveugle, incapable d'entendre la voix de Dieu et de voir sa manifestation. Enfin, je le vois clairement à présent. En attendant le Seigneur, il faut trouver le Fils de l'homme qui peut exprimer la vérité. Amen. Trouver celui qui a enduré de nombreuses souffrances et été rejeté par les générations, pour s'être efforcé à exprimer la voix de Dieu et accomplir son œuvre. C'est vrai. En trouvant ce Fils de l'homme, nous rencontrerions le Seigneur et nous serions amenés devant le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, j'ai enfin trouvé ce Fils de l'homme qui est Dieu Tout-Puissant. Amen. J'affirme que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Ça ne fait aucun doute. Amen. C'est vraiment la grâce de Dieu à mon égard. Je dois tant à Dieu Tout-Puissant. Remercions Dieu. Remercions Dieu. Remercions Dieu. Dans le passé, je ne comprenais pas la vérité sur l'incarnation. Je vivais donc dans mon imagination. Présumant que le Dieu incarné devrait être d'allure magnifique et d'une majesté imposante, avec une voix tonnante et une apparence impressionnante pour décourager les humains de l'approcher, libre des limites du temps et de l'espace. Il serait capable d'apparaître et de disparaître et de traverser les murs comme le Seigneur Jésus après la résurrection. C'est l'image que j'avais du Dieu incarné. Quand j'y repense, tout ce que j'avais imaginé était absurde. J'avais la même image. Je ne comprends ce qu'est l'incarnation qu'après avoir lu la parole de Dieu Tout-Puissant. L'incarnation est l'Esprit de Dieu réalisé dans la chair, devenant une personne ordinaire pour accomplir l'œuvre de Dieu. Amen. Tout comme le Seigneur Jésus, il n'a rien de surnaturel. Il vit tout à fait normalement parmi les gens et exprime la vérité en parlant et en œuvrant dans l'humanité normale pour fournir l'homme et pour le guider. Aux yeux des gens, il est particulièrement pragmatique.
Pas étonnant que les pharisiens et tous ceux qui n'aimaient pas la vérité n'aient pas pu accepter le Seigneur Jésus. Chaque fois qu'on parlait de lui, ils s'écriaient « Est-ce qu'il n'est pas nazaréen ? N'est-il pas le fils d'un charpentier ?» C'est vrai. Et donc, il semble que si ceux qui n'aiment pas la vérité croyaient au Seigneur Jésus, ils croiraient uniquement en son nom. Ils ne croient qu'à trois mots, le Seigneur Jésus. C'est vrai. Mais ils n'en connaissent pas du tout l'essence divine. Quand on ne connaît pas le Seigneur Jésus, comment peut-on accepter Dieu incarné dans les derniers jours ? Pas étonnant qu'un grand nombre de pasteurs et anciens, et tous ceux qui n'aiment pas la vérité, résistent à Dieu Tout-Puissant et le condamnent aussi durement. C'est Dieu Tout-Puissant qui a révélé le mystère de l'incarnation. Si on n'écoutait que les pasteurs et les anciens, on n'aurait toujours pas compris ce que signifie l'incarnation de Dieu. C'est vrai. Lorsqu'on priait le Seigneur Jésus avant, on priait Dieu le Père en même temps, de peur de rater l'un d'eux. C'est justement parce qu'on ne savait rien de l'incarnation de Dieu. La parole de Dieu Tout-Puissant a pleinement expliqué la vérité. Elle a vraiment illuminé mon cœur. Quand on est tous ensemble, c'est comme une fête au royaume des cieux. Amen. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Amen. C'est tellement merveilleux. Il suffit d'accepter le Dieu Tout-Puissant incarné pour que nous soyons enlevés. Ça faisait tellement d'années qu'on espérait ça. Amen. On peut remercier Dieu Tout-Puissant. Amen. Grâce à Dieu. Fantastique. Oh non, la police arrive! Par ici, vite! Sortons par la porte de derrière! Allez, ouvrez! Allez! Ne bougez pas! À terre! Ne bougez pas! Ne résistez pas! Monsieur, il y a une porte derrière. Allez-y! Stop! Arrêtez là! Arrêtez ou je tire! Arrêtez! Monsieur, je ne les vois plus. Par là, allez, allez. On l'a vraiment échappé belle. Je m'attendais pas à ça. À peine a-t-on accepté Dieu Tout-Puissant qu'on est déjà poursuivi. C'est vrai. La voie vers le royaume des cieux est dangereuse. Le grand dragon rouge veut à tout prix nous bloquer la voie. La voie vers le royaume des cieux est censée être périlleuse. Il semble que l'on risque sa vie quand on veut entrer au royaume des cieux. Frère Zong, frère Yang. Frère Zong, frère Yang. Sœur Zhao. Frère Zong, frère Yang, vite. Vous n'avez rien ? Grâce à Dieu, nous n'avons rien. Et vous, ça va ? Oui, ça va. Le Seigneur a veillé sur nous. Allons par là nous reposer. Oui. Frère Zong, on finit derrière les barreaux quand on croit à Dieu Tout-Puissant. Le but du PCC est d'anéantir l'Église de Dieu Tout-Puissant. Les troupes ne se retireront qu'après que le bannissement soit levé. J'ai peur que... nous devions arrêter les rassemblements, croire secrètement chez soi. C'est vrai. Quand le Parti communiste s'effondrera, on reprendra normalement. Oui, bonne idée. On va juste croire en secret. Sans se rassembler, sans prêcher l'évangile ni faire notre devoir, le PCC ne sera pas qui arrêter. Elle a raison. Nous devrions lire secrètement la parole de Dieu Tout-Puissant chez nous. Ce serait beaucoup moins risqué. Peut-être que le PCC s'effondrera un jour. Nous pourrons alors retourner à l'église et faire notre devoir. Nous irions quand même au royaume des cieux. Elle a raison. Si nous continuons nos rassemblements, la police finira par nous mettre en prison. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Si l'on refuse de trahir Dieu en signant une déclaration de pénitence, on peut avoir de gros problèmes dans sa vie. Combien d'entre nous peuvent prendre de tels risques ? De ce que je sais, pas beaucoup. Je suis d'accord. C'est bien trop dangereux.
On vient d'être poursuivi par la police. Il est normal d'être un peu secoué, c'est inévitable. Mais on ne peut pas reculer par crainte et lâcheté. Il a raison. Le Seigneur Jésus a dit « Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. » Amen. Il est également prédit dans le livre de l'Apocalypse. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Entrer dans le royaume des cieux et recevoir la vie éternelle n'est pas si simple. Nous devons assurément endurer beaucoup de persécutions. Si nous voulons entrer dans le royaume des cieux assis dans une chaise à porteur sans en payer le prix, ce sera impossible. Il est dit ceci dans la Bible. C'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Quelle que soit la malveillance du PCC Grand Dragon Rouge, il ne peut pas entamer notre foi en l'exemple du Christ. Et encore moins venir nous empêcher de suivre ses pas. Tu as raison. Est-ce que la route périlleuse qui mène vers le royaume des cieux empêchera notre amour avec Dieu ? Certainement pas. Le Seigneur Jésus est revenu. Si on n'accepte pas l'œuvre du Seigneur dans les derniers jours, est-ce qu'on ne trahit pas le Seigneur Jésus ? Si. Rejeter Dieu Tout-Puissant, c'est trahir le Seigneur Jésus. Si on ne comprend pas cette idée, comment peut-on suivre le Seigneur ? Le frère Zong a bien raison. Très bien exprimé. Les frères et les sœurs sont vulnérables. C'est normal. Il va vite falloir trouver un endroit sûr pour consolider leur foi en leur communiquant la parole de Dieu. D'accord. Je vais faire en sorte qu'il y ait plus de monde pour monter la garde. Bien, grâce à Dieu. Pourquoi le frère Zong tarde autant ? Le frère Zong est parti depuis un moment. Il devrait être là. Ça commence à m'inquiéter. Ah ! Ils sont arrivés. Ah, tout le monde est là. Vous êtes tous là. Oh, bonjour, comment ça va? Frère Zhang, frère Xu, on commence à s'inquiéter. Remercions Dieu de veiller sur nous. C'est vrai. Frère Zhang, frère Xu, venez vous asseoir. Dieu merci. Ces derniers temps, en voyant que nous croyons en Dieu Tout-Puissant, les pasteurs et les anciens sont devenus fous. Ils harcèlent les frères et les sœurs partout, nous empêchant d'étudier la vraie voie. Ils nous ont même averti que ceux qui croient en l'éclair oriental seront expulsés. Et ils ont envoyé la police arrêter ceux qui croient en Dieu. Ce sont des traîtres comme Judas. Ils prétendent croire au Seigneur. Ces pasteurs et anciens, ils sont capables de n'importe quoi. C'est leur vrai visage qu'ils nous ont montré aujourd'hui. Les comparer aux pharisiens, ce n'est pas exagéré. Ce sont eux, les pharisiens de l'ère contemporaine. C'est vrai. Ils nous empêchent d'étudier la vraie voie pour qu'on n'accepte pas Dieu Tout-Puissant. C'est vrai. Ils croient vraiment protéger le troupeau en nous mettant dans cette situation. Protéger le troupeau et l'Église ne veut pas dire qu'il faut nous empêcher d'étudier la vraie voie. Oui. Mais alors, s'ils ont perdu toutes leurs brebis, qui viendra écouter leurs sermons? Ils vont se retrouver au chômage. Oui, c'est vrai. Frère Zong, frère Xu, depuis qu'on a commencé à étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, les pasteurs et les anciens ont condamné Dieu Tout-Puissant encore plus frénétiquement. Faisant tout leur possible pour nous empêcher d'étudier la vraie voie. C'est exactement ce qu'ont fait les pharisiens juifs. Ils ont résisté au Seigneur Jésus et ils ont fini par le condamner. Ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi au fait que Dieu soit apparu deux fois dans la chair pour œuvrer et qu'il ait deux fois connu la condamnation de la communauté religieuse et du gouvernement athée. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant apparaît simplement pour exprimer la vérité en œuvrant pour la purification et le salut de l'humanité. Pourquoi la communauté religieuse et le gouvernement du PCC éprouvent-ils tant de rancœur envers le Christ, qu'ils vont même jusqu'à mobiliser les médias et les forces de police pour condamner, blasphémer, chasser et exterminer le Christ? Ça me rappelle la réaction du roi Hérode qui, quand il a entendu dire que le Seigneur Jésus, roi des Juifs, était né, a ordonné le massacre de tous les garçons de moins de 2 ans à Bethléem. Il a préféré exécuter des milliers d'enfants innocents plutôt que d'épargner le Christ. C'est vrai. Quand Dieu est devenu chair pour sauver l'humanité, la communauté religieuse et le gouvernement n'ont pas fêté son arrivée. Au contraire, ils ont condamné et blasphémé contre la manifestation de Dieu et son œuvre.
Pourquoi ont-ils décidé, à cette époque, d'aller épuiser les ressources d'un pays entier pour crucifier le Christ? Pourquoi l'humanité est-elle si mauvaise et a-t-elle autant de rancœur envers Dieu? Il y a des choses que je ne peux pas comprendre. Si vous pouviez m'expliquer tout ça. Parlons-en. Le point que soulève Frère Zong est très important. Oui. Et rares sont les personnes qui peuvent le comprendre entièrement. D'accord. La raison pour laquelle l'homme défie Dieu de manière si folle fait la une de tous les médias de nos jours. D'accord. Et la tragédie historique du Christ incarné cloué sur la croix est en train de se reproduire. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, bien sûr. Le Seigneur Jésus a dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Amen. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Amen. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. C'est ce que Jésus a dit. Amen. Cette génération est une génération méchante. Et dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 19, « Le monde entier est sous la puissance du malin. » Amen. Amen. Nous ne comprenions pas vraiment lorsque nous lisions ces mots dans la Bible auparavant. Ce n'est qu'en constatant que les deux incarnations de Dieu ont souffert le même front uni de condamnation et de persécution par les gouvernements athées et le monde de la religion, que nous avons compris que ces mots dans la Bible sont véridiques. Amen. Les actes des hommes et l'attitude qu'ils adoptent dans leur approche du Christ suffisent à prouver que le monde entier, y compris la communauté religieuse, est sous le contrôle de Satan. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous voient clairement que la plupart des pasteurs et des anciens sont des gens qui défient, condamnent et nient le Christ. Et que le monde de la religion a depuis longtemps succombé au contrôle de ses pharisiens et antéchrists. C'est vrai. Oui, il a raison. Et donc, lorsque Dieu incarné apparaît et accomplit son œuvre, les pasteurs et les anciens du monde de la religion sont les premiers à se mobiliser pour le condamner et le défier. Amen. Le gouvernement du PCC est un régime satanique qui déteste la vérité et défie Dieu. Et il a toujours arrêté et persécuté les chrétiens. Lorsque le Christ est apparu pour accomplir son œuvre en Chine, le gouvernement du PCC a essayé sans scrupule de pourchasser sauvagement et exterminer le Christ, ayant un grand retentissement dans le monde entier. Et la prophétie du Seigneur Jésus a été totalement accomplie. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Amen. Dieu a été incarné deux fois parmi les hommes pour parler et œuvrer, pour la rédemption et le salut de l'humanité. Et deux fois, il a enduré des condamnations et des persécutions mises en œuvre par les chefs religieux et le parti au pouvoir. Voilà qui suffit à prouver que ce monde est noir et maléfique, et que l'humanité est profondément corrompue. Elle l'est tellement qu'à présent, elle hait la vérité. Elle tient le mal en haute estime, et elle se dresse contre Dieu. Amen. Amen. S'alliant à Satan, devenant la progéniture de Satan, simplement incapable de tolérer l'existence de Dieu. La manifestation et l'œuvre de Dieu incarné endurent donc inévitablement l'abandon. Tout le monde a bien compris ce dont nous venons de parler ? Quant à la raison pour laquelle l'humanité défie Dieu, Dieu Tout-Puissant a révélé cet aspect de la vérité. Vous le comprendrez en lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant. D'accord, très bien. Dieu Tout-Puissant dit, « L'humanité s'est développée à travers des dizaines de milliers d'années d'histoire pour arriver là où elle est aujourd'hui. Cependant, l'humanité de ma création originelle a depuis longtemps sombré dans la dégénérescence. Elle a déjà cessé d'être ce que je veux, et ainsi l'humanité telle qu'elle apparaît à mes yeux ne mérite plus le nom d'humanité. Les hommes sont plutôt l'ordure de l'humanité, que Satan a emmené en captivité et les cadavres ambulants pourris dans lesquels Satan vit et desquels il se vêt. Les gens ne croient pas du tout en mon existence et ils n'accueillent pas ma venue.
La source de l'opposition de l'homme et de sa rébellion contre Dieu est sa corruption par Satan. Parce qu'il a été corrompu par Satan, la conscience de l'homme s'est engourdie. Il est immoral, ses pensées sont dégénérées et il a une attitude mentale arriérée. Avant qu'il ne soit corrompu par Satan, l'homme suivait naturellement Dieu et obéissait à ses paroles. Sa raison et sa conscience étaient naturellement saines et il avait une humanité normale. Après avoir été corrompu par Satan, sa raison, sa conscience et son humanité originelle sont devenues obtuses et ont été handicapées par Satan. Ainsi, il a perdu son obéissance et son amour envers Dieu. La raison de l'homme est devenue aberrante, son tempérament est devenu comme celui d'un animal. Oui. Et sa rébellion envers Dieu est de plus en plus fréquente et grave. Pourtant, l'homme, toujours, ne sait ni ne reconnaît cela et tout simplement s'oppose et se rebelle aveuglément. C'est vrai. L'humanité n'est autre que mon ennemi. L'humanité est le malin qui me résiste et me désobéit. L'humanité n'est autre que la progéniture du malin que j'ai maudit. L'humanité n'est autre que le descendant de l'archange qui m'a trahi. Les hommes ne sont autres que l'héritage du diable que je méprise depuis longtemps, qui a été mon ennemi irréconciliable depuis. Est-ce que je peux continuer ? Bien sûr. Satan corrompt les hommes. Par l'éducation, par l'influence des gouvernements nationaux et par les célébrités et les grands personnages. Leurs mensonges et leurs non-sens sont devenus la vie et la nature de l'homme. Chacun pour soi, Dieu pour tous, est un dicton satanique bien connu, qui a été instillé en tous et qui est devenu la vie humaine. Il y a d'autres paroles de philosophie de vie qui sont aussi comme ça. Satan éduque les hommes à travers la belle culture traditionnelle de chaque nation et fait tomber l'humanité dans un abîme expansif de destruction et l'engloutit. Et à la fin, les hommes sont détruits par Dieu parce qu'ils servent Satan et résistent à Dieu. Amen. Né dans une terre si souillée, l'homme a été gravement blessé par la société. Il a été influencé par l'éthique féodale. Et il a été formé dans des instituts d'enseignement supérieur. La pensée arriérée, la moralité corrompue, le point de vue mauvais sur la vie, la philosophie infâme, l'existence absolument sans valeur, le mode de vie et les coutumes dépravées. Toutes ces choses ont gravement entamé le cœur de l'homme et gravement miné et attaqué sa conscience. En conséquence, l'homme s'éloigne de plus en plus de Dieu et s'oppose de plus en plus à lui. Amen. Amen. Je peux continuer. D'accord. Dès l'époque où l'homme avait connu les sciences sociales, son esprit était occupé par la science et la connaissance. C'est ainsi que celles-ci devinrent des outils destinés à administrer l'humanité. Et il n'y avait plus assez de place pour que l'homme adore Dieu. Et plus de conditions favorables pour vénérer Dieu. Sa place diminuait de plus en plus dans le cœur de l'homme. Un monde dans lequel Dieu n'a pas de place dans le cœur de l'homme est sombre, vide, sans espoir. Et c'est ainsi qu'ont émergé de nombreux spécialistes des sciences sociales, des historiens et des politiciens pour développer des théories des sciences sociales, la théorie de l'évolution humaine et d'autres théories contrariant la vérité de la création de l'homme par Dieu pour remplir le cœur et l'esprit de l'homme. Et de cette façon, ceux qui croient qu'il a tout créé deviennent de moins en moins nombreux, et ceux qui croient en la théorie de l'évolution deviennent de plus en plus nombreux. De plus en plus de gens considèrent les enregistrements de l'œuvre de Dieu et ses paroles pendant l'ère de l'Ancien Testament
comme des mythes et des légendes. Dans leur cœur, les gens deviennent indifférents à la dignité et à la grandeur de Dieu, à la doctrine selon laquelle il existe et domine sur toute chose. La survie de l'humanité et le destin des pays et des nations ne sont plus importants pour eux. L'homme vit dans un monde vide qui ne se préoccupe que de manger, boire et de rechercher du plaisir. Amen. Aucun ne cherche activement les traces ni l'apparition de Dieu. Et nul ne souhaite exister dans le soin et la garde de Dieu. Au contraire, ils sont prêts à compter sur la corrosivité de Satan et du mal afin de s'adapter à ce monde et aux règles de vie que suit l'humanité méchante. À ce stade, le cœur et l'esprit de l'homme sont sacrifiés à Satan et deviennent sa subsistance. En outre, le cœur et l'esprit humain deviennent un lieu dans lequel Satan peut résider et un terrain de jeu approprié pour lui. De cette façon, l'homme perd sans le savoir sa compréhension des principes d'être humain et la valeur et le but de l'existence humaine. Les lois de Dieu et l'alliance entre Dieu et l'homme disparaissent peu à peu dans le cœur de l'homme. Et l'homme ne cherche plus ou ne prend plus garde à Dieu. Avec le temps, l'homme ne comprend plus pourquoi Dieu a créé l'homme, ni ne comprend les paroles qui sortent de la bouche de Dieu ou réalise tout ce qui vient de Dieu. L'homme commence à résister aux lois et aux décrets de Dieu. Le cœur et l'esprit de l'homme s'amortissent. Dieu perd l'homme qu'il a originellement créé. Et l'homme perd la racine de son commencement. C'est la tristesse de cette humanité. Amen. Pendant des milliers d'années, ce pays a été une terre d'ordures, insupportablement sale, où la misère abonde, où les fantômes errent dans tous les coins, trompant et décevant, portant des accusations sans fondement, étant impitoyables et vicieux, piétinant cette ville fantôme et la laissant joncher de cadavres. L'odeur de la pourriture imprègne l'air et couvre le pays qui est fortement gardé. Qui peut voir le monde au-delà des cieux? Le diable ligote fortement tout le corps de l'homme. Il couvre ses yeux et scelle ses lèvres fermement. Le roi des démons a tout saccagé pendant plusieurs milliers d'années, jusqu'à nos jours, alors qu'il surveille toujours la ville fantôme, comme si elle était un palais des démons impénétrables. Ces chiens de garde, pendant ce temps, surveillent de leurs yeux vifs, craignant profondément que Dieu les prenne au dépourvu et les anéantisse tous, ne leur laissant aucun lieu de paix et de bonheur. Comment les gens d'une ville fantôme de ce genre pourraient-ils avoir déjà vu Dieu? Ont-ils déjà joui du charme et de la beauté de Dieu? Quelle reconnaissance ont-ils des choses du monde humain? Lequel d'entre eux peut comprendre la volonté ardente de Dieu? Peu étonnant donc que Dieu incarné reste complètement caché. Dans une société de ténèbres comme celle-là, où les démons sont impitoyables et inhumains, comment le roi des démons, qui tue les gens en un clin d'œil, pourrait-il tolérer l'existence d'un Dieu qui est beau, bon et saint? Comment pourrait-il applaudir et acclamer l'arrivée de Dieu? Ses laquais, il rembourse la gentillesse avec la haine, il dédaigne Dieu depuis longtemps. Ils abusent Dieu, ils sont sauvages à l'extrême. Ils n'ont pas la moindre considération pour Dieu. Ils saccagent et pillent, ils ont perdu toute conscience et n'ont pas une trace de bonté. Et ils tentent l'innocent jusqu'à l'insanité. Ancêtres des anciens, leaders bien-aimés, ils s'opposent tous à Dieu. Leur ingérence a tout laissé sous le ciel dans un état de ténèbres et de chaos. Liberté de religion, les droits et intérêts légitimes des citoyens, tout cela n'est qu'une ruse pour camoufler le péché. Pourquoi lever un tel obstacle impénétrable à l'œuvre de Dieu? Pourquoi employer diverses astuces pour tromper le peuple de Dieu? Où sont la vraie liberté et les droits et intérêts légitimes? Où est l'équité? Où est le confort? Où est la chaleur? Pourquoi employer des complots divers pour tromper le peuple de Dieu? Pourquoi utiliser la force pour réprimer la venue de Dieu?
Pourquoi ne pas permettre à Dieu de parcourir librement la terre qu'il a créée? Pourquoi harceler Dieu jusqu'à ce qu'il n'ait nulle part où reposer la tête? Où est la chaleur parmi les hommes? Où est l'accueil parmi les hommes? Pourquoi infliger à Dieu une telle désespérance? Pourquoi faire crier Dieu encore et encore? Pourquoi obliger Dieu à s'inquiéter de son Fils bien-aimé? Pourquoi cette société de ténèbres et ces chiens de garde désolés ne permettent-ils pas à Dieu de circuler librement dans le monde qu'il a créé? Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant a beaucoup parlé de la racine et la situation actuelle de la corruption de l'humanité. Exact. Quand on lit Dieu Tout-Puissant, on arrive à comprendre pourquoi il y a tant de noirceur dans le monde, pourquoi l'humanité résiste à Dieu avec autant de fougue, et quelles sont la vérité et la substance de la corruption, de l'humanité. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Remercions Dieu, on y gagne beaucoup. La malfaisance de notre époque prouve que l'humanité a été pleinement corrompue entre les mains de Satan. Et donc, combien parmi les hommes ont soif de l'apparition de Dieu et vont accueillir sa venue avec joie? Combien sont heureux d'entendre la parole de Dieu et d'accepter la vérité? Combien étudient et recherchent l'œuvre de Dieu dans les derniers jours? La plupart des gens n'ont pas conscience de tout ça. Pire, ils se fient aux mensonges du gouvernement du PCC et ils travaillent avec les forces de Satan pour condamner Dieu Tout-Puissant. Ce sont des faits avérés, vous êtes d'accord avec ça? C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu. Mais combien d'entre eux peuvent accepter la vérité, la rechercher et se soumettre réellement à Dieu? Rappelez-vous l'époque où le Seigneur Jésus est apparu pour accomplir son œuvre. Tout le peuple juif a suivi l'exemple des grands prêtres, des scribes et des pharisiens pour le condamner. Dans les derniers jours, tandis que Dieu Tout-Puissant est apparu pour accomplir son œuvre, les pasteurs et les anciens condamnent Dieu. Ils ont même verrouillé leur église et interdit aux croyants d'étudier la vraie voie. Vous conviendrez qu'il n'en faut pas plus pour démontrer que le monde est empli de noirceur et de malfaisance. À présent, l'humanité déteste la vérité et elle a choisi de se dresser contre Dieu. Oui, mais c'est vrai. La raison de cette noirceur et de cette malveillance dans le monde, c'est que Satan contrôle l'humanité et que le monde entier est dominé par le maléfique. Amen. Depuis des milliers d'années, Satan s'est servi de l'athéisme, de la théorie de l'évolution, du matérialisme ainsi que d'autres faussetés pour corrompre l'humanité. L'humanité s'est mise à croire aveuglément à diverses idées fausses provenant des rois, des diables et de grands hommes qui ont affirmé des choses comme « il n'existe ni Dieu ni Sauveur ». Le ciel détruit ceux qui ne sont pas pour eux-mêmes. L'homme peut conquérir la nature et lutter contre le ciel et la terre. Ceux qui travaillent avec leur esprit gouvernent les autres et ceux qui travaillent avec leur corps sont gouvernés par d'autres. Chacun contrôle sa destinée. Homme sans argent est un loup sans dents, etc. C'est tout à fait vrai. Les hommes ont été corrompus par ces faussetés maléfiques qui les ont rendus parfaitement arrogants, trompeurs, égoïstes, avides et méchants. Il n'y a aucun homme qui parle de moralité, ni aucun homme qui parle de conscience, et aucun homme qui puisse parler d'être honnête. C'est vrai. Dans leur recherche de notoriété, les hommes s'entretuent et ils vont même jusqu'à comploter pour s'excroquer mutuellement. Les nations entre elles se font la guerre continuellement pour protéger leurs intérêts. N'est-ce pas le résultat de la corruption de l'humanité? Oui, c'est vrai. La corruption par Satan. Tout ça démontre indéniablement que l'humanité a été corrompue par Satan et qu'elle est à présent du même acabit, qu'elle vient de Satan. Elle est une force maléfique qui se dresse contre Dieu. Amen. Oui, c'est vrai. De même, quand Dieu s'est fait chair de foi pour accomplir son œuvre parmi les hommes, l'humanité corrompue a résisté à Dieu, l'a condamné et dans les deux cas est allée jusqu'à le crucifier. Oui, c'est vrai. Voilà donc en partie ce qui explique pourquoi l'humanité résiste à Dieu. Est-ce que tout est parfaitement clair pour tout le monde? Très clair, oui, c'est très clair. Merci, on a tous compris. Ce que vous venez de nous dire est un fait avéré. Ce monde est plein de noirceur et de malveillance. Depuis maintenant plus de 60 ans, le Parti communiste chinois règne sur la Chine. Et tout ce temps-là, il a rageusement réprimé toutes les croyances, désignant le christianisme et le catholicisme comme des sectes et la Bible comme un livre à détruire.
démolissant les églises et toutes les croix, et arrêtant et emprisonnant des chrétiens sans aucune raison. C'est vrai. Laissant d'innombrables chrétiens déracinés et sans abri, avec nulle part où aller. C'est vrai. Un nombre incalculable de personnes sont privées de croyance. Certains sont même privés du droit de vivre. Des proches d'innombrables chrétiens ont perdu leur travail. On a interdit à leurs enfants de faire des études à l'université et même de quitter le pays. Mais enfin, où va le monde ? C'est vrai. La Chine est virtuellement devenue une prison où l'on n'est pas libre de croire et où même le droit de vivre est restreint. Le PCC ne permet simplement pas de vivre à ceux qui croient en Dieu. Il veut les voir morts. Le PCC est un groupe maléfique qui déteste la vérité, déteste Dieu. Amen. Malheureusement. Tu as bien raison. En fait, le PCC n'a qu'une seule idée en tête, tuer ceux qui croient en Dieu. Oui. Dès la naissance de la République populaire de Chine jusqu'à la révolution culturelle, on a été persécutés. Même après, avec le lancement de la réforme et ouverture, les campagnes de rafles et détentions contre les chrétiens n'ont jamais cessé. C'est vrai. Tout à fait. C'est vrai. On se rappelle 1983, 1987, 1991, 1996, 1998. Et aussi celle de 2002, 2003, 2004, 2008 et 2009. Et comment oublier la campagne publique nationale en 2012, l'opération Tonnerre de printemps en 2013 et la bataille de 100 jours en 2014. Toutes ces campagnes nationales généralisées de rafles et détentions étaient caractérisées par des attaques surprises et des arrestations secrètes qui ont provoqué une panique et une agitation massive. À cette époque, la vie en Chine ressemblait à un séjour dans une prison macabre. Oui, c'est vrai. Tant que le PCC ne sera pas détruit, le peuple chinois ne sera jamais en paix. Et les chrétiens seront persécutés et mis en péril. Tu as raison. Vite, fouillez cet endroit! Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Où est Zhongxian? Dis-moi où il est! Je ne sais pas! Tu ne sais pas? Grand-père! Voilà qui t'apprendra à me mentir! Grand-père, ça va aller? Ça va. Vous étiez obligé de le frapper? Il vaut mieux de pas trop la ramener, toi, espèce de crétin! Où est parti ton père? Parle, je t'assomme! Il m'a pas dit où il allait, comment je le saurais? Et là, ça te revient? Parle! Où est Zhongxian? Objectivement, vous ne trouvez pas le PCC détestable? C'est vraiment détestable. La répression et les attaques insensées du PCC contre les clercs orientaux, le monde entier en a parlé. Oui, bien sûr. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi ils résistent à Dieu et s'opposent à lui de manière aussi frénétique. C'est vrai, ça. Pourquoi? Précisément parce que le Dieu Tout-Puissant incarné a prononcé de nombreuses vérités. Amen. C'est ce livre, La parole apparaît dans la chair, qui a provoqué une certaine agitation. Nombre de personnes qui croient au Seigneur ont entendu les déclarations de Dieu Tout-Puissant. Et confirmant qu'il s'agissait de la voix de Dieu et de son œuvre, elles se sont évidemment tournées vers lui. Amen. Amen. Le nombre croissant de ceux qui proclament l'existence de Dieu Tout-Puissant a déclenché une certaine panique au sein du PCC. Le PCC a arrêté d'innombrables personnes qui avaient témoigné de Dieu et il a confisqué un grand nombre d'exemplaires de cet ouvrage. Le PCC tient à faire disparaître la parole apparaît dans la chair parce qu'il ressent sa formidable autorité. Il a la capacité de tout conquérir. L'objectif du PCC est donc de calomnier, juger et discréditer Dieu Tout-Puissant. Mais il n'ose pas faire connaître la parole apparaît dans la chair au public. Il n'y a pas la moindre allusion à ce qu'a déclaré Dieu Tout-Puissant. D'après vous, pourquoi le PCC est si discret à propos de la parole apparaît dans la chair ? Il craint que le monde entier voit que Dieu s'est manifesté en accomplissant son œuvre en Orient, que le Sauveur de l'humanité est apparu en Orient, et que c'est là qu'est l'espoir de l'humanité. Amen. Pourquoi le PCC a-t-il peur que l'humanité lise la parole apparaît dans la chair? Oui, pourquoi? Parce que ce livre, La parole apparaît dans la chair, est la voix de Dieu. Il est complètement les déclarations de la vérité. Et c'est la véritable lumière qui est apparue en Orient. Amen. Grâce à Dieu. Le PCC est le régime de Satan qui, plus que tout, déteste la vérité.
Plus que tout, il craint que la vérité ne soit acceptée par l'humanité tout entière, que Dieu prenne le pouvoir et devienne le roi du monde de l'homme, et que le royaume du Christ apparaisse sur la terre. Le PCC pourchasse donc le Christ et s'acharne contre lui comme un forcené, en se servant des médias pour faire de la propagande contre l'Église de Dieu Tout-Puissant, monter un coup contre elle sans motif et la calomnier. Ils vont même jusqu'à mobiliser la police nationale pour opprimer en masse les élus de Dieu, les arrêter et les persécuter. N'ayant nulle part où se cacher, ces élus ont été forcés de s'exiler à cause des persécutions du PCC. Mais le gouvernement chinois, sous le PCC, est parvenu par des moyens politiques, économiques et diplomatiques à faire pression sur certains pays. Pour que les chrétiens qui se sont échappés à l'étranger soient extradés vers la Chine afin de les torturer et de les persécuter. C'est vraiment ignoble. Encore plus détestable. Le PCC arrête aussi les proches des chrétiens partis à l'étranger et les traite comme des otages, avec lesquels ils menacent l'Église de Dieu Tout-Puissant. Il les oblige à obtenir des passeports pour aller perturber l'Église de Dieu Tout-Puissant partout dans le monde et essaye par des voies diplomatiques de monter des coups contre l'Église de Dieu Tout-Puissant et de la calomnier pour la discréditer auprès de l'opinion publique. Le PCC incite les pays du monde entier à rejeter l'Église de Dieu Tout-Puissant et à extrader ses membres. Son objectif malveillant étant d'empêcher l'expansion de l'Église de Dieu Tout-Puissant et son évangélisation à l'étranger. Ah non. Vous ne croyez pas que le PCC est le diable Satan qui déteste Dieu et la vérité? Si, c'est le diable. Le PCC est maître dans l'art des sévices. Il dévore les âmes. C'est un démon qui avale les hommes sans recracher les os. Amen. Raison des démons. Il a vraiment bien. Amen. Alors dites-moi, vous comprenez tous pourquoi le gouvernement chinois du PCC condamne Dieu Tout-Puissant de manière aussi frénétique? Dieu merci, on a compris beaucoup de choses avec ce que tu viens de dire. Parler des persécutions des chrétiens par le PCC me fait vraiment mal au cœur. Mon fils a été arrêté par la police au printemps dernier, en pleine saison des travaux agricoles, juste parce qu'il croit en Dieu. Mon mari et moi étions malades et incapables de travailler à la ferme. Ils ont emmené le travailleur principal de la famille. Nous avons pleuré toute la journée. Et puis nous avons tout essayé pour le sortir de prison, mais en vain. Le PCC l'a condamné à 3 ans. Cette année, il a fallu payer quelqu'un pour nous aider à ensemencer nos champs. Et cet automne, nous ne savons même pas si nous aurons une récolte. Est-ce que tout est arrivé à cause de notre foi? Notre foi en Dieu est la bonne voie. Alors pourquoi le PCC nous persécute-t-il? Il nous rend la vie si difficile. Oh, mais c'est affreux. Quelle horreur. Dieu, quelle histoire, ça. Mais comment lui peut faire des choses pareilles? Le PCC est un démon qui dévore les hommes, qui est dénué d'égard pour la vie humaine. C'est vrai. Il est arrivé la même chose au frère Zhang, juste parce qu'il a témoigné de l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Les pasteurs et les anciens les ont fait arrêter, lui et sa femme. Le couple a été emmené par la police et leurs 2 enfants sont restés seuls. Les pauvres, ils ont eu beau pleurer toute la journée, personne n'était là pour eux. Ces 2 petits ont été livrés à leur propre sort. Comment ces enfants vont-ils survivre avec leurs parents en prison? Pourquoi le PCC est aussi cruel? Les déclarations du PCC sur les droits de l'homme et la liberté de religion ne sont que des mensonges éhontés pour tromper et duper les gens. A-t-il jamais permis la liberté de religion? Respecte-t-il le droit à la vie? Ne nous prive-t-il pas de ce droit le plus basique? Si, malheureusement. Quelle loi le frère Zhang et sa femme ont-ils enfreinte en prêchant l'évangile? Ils s'efforcent de toujours faire le bien et de suivre la bonne voie. Pour quel motif le PCC les a-t-il envoyés en prison? Ont-ils le moindre principe de morale et de justice? Ils n'ont aucun. La justice en Chine, il n'y en a pas. La malveillance du PCC, ses persécutions et ce harcèlement, ça me met hors de moi. Oui, je la comprends. Oui, moi aussi. Ce que tu nous as dit, ça me permet de mieux comprendre la situation actuelle. Le PCC, pourquoi il réprime, attaque et persécute l'Église de Dieu Tout-Puissant? Juste parce qu'il déteste Dieu et la vérité. Oui, voilà, c'est ça. Ces raisons sont les mêmes que celles de Satan. Amen. Amen.
Autrefois, je ne comprenais pas pourquoi les chrétiens devaient subir autant d'épreuves. À cette époque, je croyais que c'était de l'incompréhension. Les chrétiens sont des personnes honnêtes, qui n'ont ni l'intention d'usurper le pouvoir du PCC, ni de menacer son règne. Alors pourquoi le PCC tient-il tant que ça à nous persécuter ? C'est vrai, oui. Il a raison. Après vous avoir entendu, je comprends la vérité derrière tout ça. Dieu merci. Dieu merci. Les démons du PCC ne sont pas des gens ordinaires. Ils sont intelligents et ils réfléchissent. Ils n'ont donc pas agi impulsivement quand ils s'en sont pris à ces gens. Tu as bien raison. C'est leur nature diabolique et satanique qui les y a poussés. Amen. Tu as tellement raison. On n'a jamais été tranquille depuis toutes ces années que l'on croit au Seigneur. Et on ne s'était même pas rendu compte que le PCC était diabolique. C'est vrai. Les intentions du PCC derrière cette résistance à Dieu nous avaient complètement échappé. Avant de connaître la vérité, on était incapable de faire la part des choses. C'est vrai, c'est sûr. Je manquais de discernement. J'écoutais sans réfléchir les mensonges du PCC. Et je refusais d'étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. J'étais à la fois aveugle et ignorante. J'étais exactement pareil. Finalement, j'y vois plus clair. Le PCC est un régime satanique qui déteste la vérité ainsi que Dieu. Pas étonnant que le Dieu incarné soit confronté à une répression et une persécution aussi cruelle et démente au moment où il apparaît et œuvre en Chine. C'est sûr. Le PCC est un groupe de démons qui résiste à Dieu. Amen. Tout à fait. Tu as raison, le PCC est un groupe de démons qui résiste à Dieu. Il doit être maudit. Oui, il est ignoble. Frère Zong, la police, elle sera ici dans très peu de temps. Quoi ? Oh, frères et sœurs, vite, partons. Oui, frères et sœurs, prenez vite vos affaires. C'est tellement dur de croire en Dieu en Chine. C'est vrai. J'ai hâte de voir le PCC s'effondrer. Pas normal. Qu'on ait la possibilité de croire en Dieu librement et sans avoir la peur au ventre. Frère Zhang, frère Xu, après vous avoir écouté, je pense avoir compris. Le PCC est un groupe démoniaque. C'est un parti athée hostile à Dieu et à la vérité. C'est vrai. Tu as raison. Le démon, c'est Satan personnifié. La réincarnation de Satan et des esprits maléfiques, c'est le démon, l'ennemi juré de Dieu. Et donc, lorsque Dieu œuvre en Chine dans les derniers jours, la persécution que lui fait endurer le gouvernement du PCC est inévitable. C'est sûr. Exact. Mais la plupart des pasteurs et des anciens dans la communauté religieuse connaissent parfaitement la Bible. Ils n'étudient pas l'œuvre de Dieu Tout-Puissant et ils ne la recherchent pas non plus. Mais au contraire, ils jugent, condamnent et résistent comme des fous. Je trouve ça ahurissant. Oui, c'est vrai, il a raison. Que le gouvernement du PCC condamne l'œuvre de Dieu, ce n'est pas surprenant. Mais les pasteurs et les anciens, pourquoi est-ce qu'ils résistent à ce point à l'œuvre de Dieu ? Ça, c'est une bonne question. Voilà un point qui mériterait des explications. Frère Zhang, frère Xu, vous pourriez éclaircir ça, s'il vous plaît. C'est vrai, ça. C'est normal que le gouvernement du PCC condamne l'éclair oriental, le réprime et le persécute. On le sait, le PCC est un régime athée et satanique. Il réprime les croyances religieuses et persécute les chrétiens depuis toujours. C'est vrai. Mais la plupart des pasteurs et des anciens sont des serviteurs de Dieu qui enseignent la Bible. C'est vrai. Leur jugement et leur condamnation de l'éclair oriental soulève donc un véritable problème. Je suis bien d'accord. Quel problème est-ce que ça soulève ? Je me le demande. J'ose affirmer que la communauté religieuse n'aurait pas tort si elle condamnait toute confession comme hérétique. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Amen. Comment est-ce qu'il peut dire ça ? Comment est-ce que tu peux dire ça ? Collègue Wu, tu es en train de dire que l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours n'est pas la vraie voie. C'est le raisonnement de la plupart des pasteurs et des anciens qui résistent à Dieu et le condamnent. Oui, d'accord. Est-ce que tu te bases sur la parole de Dieu pour dire ça ? Les pasteurs et les anciens sont-ils établis et utilisés par Dieu ? Est-ce qu'ils connaissent Dieu ? Peuvent-ils déterminer comment Dieu arrive et comment Dieu apparaît et œuvre ? Tu as réfléchi à tout ça avant de prendre la parole ? Parce que tu tires des conclusions hâtives. On n'a pas réfléchi. Ce sont des conclusions arbitraires. Tu lis la Bible depuis des années. Tu devrais savoir depuis le temps comment les grands prêtres juifs, les scribes et les pharisiens ont condamné le Seigneur Jésus et lui ont résisté. Oui, c'est sûr. Tu crois au Seigneur pourtant.
Alors pourquoi tu écoutes les pasteurs et les anciens? Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus ou aux pasteurs et aux anciens? Tu préfères écouter la parole du Seigneur ou celle de ces gens? Si tu crois vraiment au Seigneur, pourquoi tu continues à les vénérer? Pourquoi est-ce que tu obéis aux gens si tu crois au Seigneur? Tu ne devrais pas. Ça m'étonnerait bien que tu crois véritablement au Seigneur. Il faut arrêter de suivre les pasteurs et les anciens. Il faut que tu arrêtes. La question soulevée par le frère Lynn est vitale. Nombreux sont les croyants qui ne la comprennent pas. D'accord. Dieu est apparu dans la chair deux fois, et deux fois il a subi la persécution collective de la communauté religieuse et des gouvernements. La vraie voie est donc persécutée depuis les temps les plus anciens. Amen. 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 Nombreux sont ceux qui ne se rendent pas compte. Et surtout, ils ont du mal à croire à la condamnation frénétique de l'œuvre de Dieu par les chefs religieux. Mais en fin de compte, ça n'a rien d'étrange. Autrefois, lorsque le Seigneur Jésus est apparu pour œuvrer, il a tout d'abord été frénétiquement condamné, outragé, blasphémé et arrêté par les grands prêtres, les scribes et les pharisiens du judaïsme. Ces faits apparaissent clairement dans la Bible. Oui, c'est vrai que c'est écrit dans la Bible. Ces grands prêtres, ces scribes et ces pharisiens, ils étaient censés enseigner la Bible et servir Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont condamné, persécuté et pourchassé le Seigneur Jésus incarné? Est-ce qu'il se pourrait que leur foi en Dieu avait en réalité pour but de crucifier le Seigneur Jésus quand il est venu? Non, impossible. Certainement pas. Qu'est-ce qui les a donc poussés à commettre de tels actes contre Dieu? Tout est expliqué dans les paroles de Dieu Tout-Puissant. Je vous propose d'en lire quelques passages. Oui, ah, oui. Oui, très bien. Dieu Tout-Puissant dit: voulez-vous savoir ce qui a poussé les pharisiens à s'opposer à Jésus? Voulez-vous connaître l'essence des pharisiens? Ils étaient remplis de fantasmes sur le Messie. De plus, ils croyaient seulement que le Messie viendrait, mais ne cherchaient pas la vérité de la vie. Et ainsi, encore aujourd'hui, ils attendent encore le Messie. Car ils n'ont aucune connaissance de la voie de la vie, et ne savent pas ce qui est le chemin de la vérité. Comment, dites-moi, ces gens insensés, têtus et ignorants pourraient-ils obtenir la bénédiction de Dieu? Comment pourraient-ils voir le Messie? Ils se sont opposés à Jésus parce qu'ils ne connaissaient pas la direction de l'œuvre du Saint-Esprit, parce qu'ils ne connaissaient pas le chemin de la vérité dont Jésus a parlé et en outre, parce qu'ils ne comprenaient pas le Messie. Et puisqu'ils n'avaient jamais vu le Messie et n'avaient jamais été en compagnie du Messie, ils ont commis l'erreur de rendre un hommage vide au nom du Messie, tout en s'opposant à l'essence du Messie par tous les moyens. Ces pharisiens, en essence, étaient têtus, arrogants et n'obéissaient pas à la vérité. Le principe de leur croyance en Dieu est: quelle que soit la profondeur de ta prédication, quelle que soit la hauteur de ton autorité, tu n'es Christ que si tu es appelé le Messie. Ces opinions ne sont-elles pas absurdes et ridicules? Oui, elle a raison, c'est absurde. Je vous demande encore, n'est-il pas extrêmement facile pour vous de commettre les erreurs des premiers pharisiens, étant donné que vous n'avez pas la moindre connaissance de Jésus? Peux-tu discerner le chemin de la vérité? Peux-tu vraiment garantir que tu ne t'opposeras pas à Christ? Peux-tu suivre l'œuvre du Saint-Esprit? Si tu ne sais pas si tu vas t'opposer à Christ, alors je dis que tu vis déjà à deux doigts de la mort. Ceux qui ne connaissaient pas le Messie étaient tous capables de s'opposer à Jésus, de rejeter Jésus, de le calomnier. Les gens qui ne comprennent pas Jésus sont tous capables de le renier et de le vilipender. De plus, ils sont capables de voir le retour de Jésus comme la tromperie de Satan. Et plus de personnes vont condamner le fait que Jésus redevienne chair. Est-ce que tout cela ne vous fait pas peur?
Ce à quoi vous faites face sera un blasphème contre le Saint-Esprit, la ruine des paroles du Saint-Esprit aux églises et la répudiation de tout ce qui est exprimé par Jésus. Que pouvez-vous gagner de Jésus si vous êtes si embrouillé? Comment pouvez-vous comprendre l'œuvre de Jésus quand il revient dans la chair sur une nuée blanche si vous refusez obstinément de vous rendre compte de vos erreurs? Je vous dis ceci, les gens qui n'acceptent pas la vérité, mais attendent aveuglément l'arrivée de Jésus sur des nuées blanches, blasphémeront certainement contre le Saint-Esprit. Et c'est l'espèce qui sera détruite. Amen. Je peux lire la suite? Bien sûr. Ceux qui lisent la Bible dans des églises imposantes et récitent la Bible tous les jours, mais aucun d'eux ne comprend le but de l'œuvre de Dieu. Aucun n'est capable de connaître Dieu. En plus, aucun n'est en accord avec le cœur de Dieu. Ils sont tous des hommes vils et inutiles. Ils se placent en hauteur pour enseigner Dieu. Bien qu'ils brandissent le nom de Dieu, ils s'opposent à lui volontairement. Bien qu'ils disent être croyants en Dieu, ce sont eux qui mangent la chair et boivent le sang de l'homme. Tous ces hommes sont des diables qui dévorent l'âme de l'homme. Des démons qui dérangent intentionnellement ceux qui tentent d'emprunter la bonne voie et des pierres d'achoppement, qui entravent le chemin de ceux qui cherchent Dieu. Puisqu'ils sont de chair ferme, comment leurs disciples sauront-ils qu'ils sont des antéchrists qui mènent l'homme à s'opposer à Dieu? Comment sauront-ils qu'ils sont des démons vivants qui cherchent spécialement des âmes à dévorer? C'est bien le cas. Regarde les dirigeants de chaque confession religieuse. Ils sont tous arrogants et suffisants. Et ils interprètent la Bible hors de son contexte et selon leur propre imagination. Ils comptent tous sur les dons et l'érudition pour accomplir leur travail. S'ils étaient incapables de prêcher quelque chose, ces gens les suivraient-ils? Ils possèdent tout de même un peu de connaissances. Ils peuvent parler un peu de doctrine, savent comment convaincre les autres et utilisent des artifices par lesquels ils ont attiré le peuple devant eux et les ont trompés. Théoriquement, ces gens croient en Dieu, mais en réalité, ils suivent leurs dirigeants. S'ils rencontrent ceux qui prêchent le vrai chemin, certains d'entre eux diraient « Nous devons le consulter au sujet de notre croyance en Dieu. Voyez comment ils cherchent le consentement de quelqu'un pour croire en Dieu. N'est-ce pas un problème? Que deviennent donc ces dirigeants? Ne sont-ils pas devenus des pharisiens, des faux pasteurs, des antéchrists et des pierres d'achoppement qui empêchent le peuple d'accepter la véritable voie? La raison pour laquelle l'homme s'oppose à Dieu est d'une part due au tempérament corrompu de l'homme et d'autre part à son ignorance de Dieu, à son manque de compréhension des principes de l'œuvre de Dieu et de sa volonté pour l'homme. Ces deux aspects se fusionnent dans une histoire de la résistance de l'homme à Dieu. Amen. 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 C'est le cas. Comme vous l'avez compris, il est ici question de la résistance à Dieu des pharisiens, des pasteurs et des anciens. Vous en avez compris la cause. On a compris beaucoup de choses. Grâce à Dieu. Alors je vous écoute. Quelle est donc la raison pour laquelle les pasteurs et les anciens résistent à Dieu? En réalité, ils acquièrent une connaissance biblique et des théories théologiques, mais se fichent de la vérité. C'est ça. Du coup, ils ne reconnaissent pas le Seigneur. Exactement. C'est ça. Les pasteurs et les anciens sont hostiles à la vérité. Dès qu'ils comprennent que ce qu'exprime Dieu est entièrement la vérité, ils deviennent hostiles et commencent à juger, condamner Dieu et à lui résister. C'est vrai. Vous l'avez très bien exprimé. Quand les pharisiens ont écouté la parole du Seigneur Jésus, ils ont ouvertement reconnu que ce qu'il disait faisait autorité et qu'en plus d'être puissante, la parole du Seigneur Jésus provenait bien de Dieu. Alors pourquoi, malgré tout ça, ont-ils décidé de le condamner, de l'incarcérer et de le crucifier?
Vous ne croyez pas, puisqu'ils savaient très bien que sa parole était la vérité, qu'ils auraient dû prier Dieu pour chercher à comprendre si le Seigneur Jésus était bien le Messie? Dieu les aurait certainement éclairés. Mais ils n'ont pas prié Dieu. Ils ont juste décidé de condamner le Seigneur Jésus pour avoir blasphémé. À part, ils se sont quand même évertués à lui demander « Est-ce que c'est toi le Messie ?» Et quand le Seigneur Jésus leur a directement répondu, ils ont refusé de le croire. Bien sûr, évidemment. En faut-il vraiment plus pour prouver que les pharisiens étaient arrogants? Ils adoraient tellement la Bible. Ils n'avaient aucun égard envers le Christ qui exprimait la vérité. Bien sûr. Selon leur raisonnement, peu importait les vérités exprimées par le Seigneur Jésus. Même si cette parole faisait autorité et était puissante, tant qu'ils ne s'appelaient pas le Messie, ils allaient condamner le Seigneur Jésus, lui résister et même le clouer sur la croix. C'est certain. C'est quoi? Est-ce que vous diriez que ces dirigeants du judaïsme étaient des démons qui détestaient la vérité? C'est sûr. Si le Seigneur Jésus n'avait pas pu exprimer la vérité, est-ce qu'il l'aurait autant détesté? Non, j'en crois pas. C'est comme ça qu'on a découvert la nature satanique des pharisiens qui détestaient la vérité. Amen. C'est là que la résistance des pharisiens à Jésus trouve son origine. Tout à fait. C'est comme ça que le Seigneur Jésus a démasqué les pharisiens. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Vous comprenez à présent pourquoi les dirigeants juifs ont résisté au Seigneur Jésus et l'ont tué. Alors la raison pour laquelle les pasteurs et les anciens des derniers jours résistent frénétiquement à Dieu Tout-Puissant n'est pas difficile à saisir. C'est sûr. Alors, est-ce que tout le monde a bien compris? C'est formidable de communiquer de cette façon. Grâce à Dieu, on a appris beaucoup de choses. Ceux qui ont fait l'expérience de l'œuvre de Dieu savent que les gens qui détestent la vérité vont inévitablement juger et condamner Dieu. Oui, vous êtes d'accord avec moi? Absolument. L'œuvre de jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours est de purifier le tempérament satanique de l'homme. Comment Dieu purifie-t-il et sauve-t-il l'homme? Il le fait simplement en exprimant la vérité pour le juger. Amen. Ceux qui acceptent la vérité seront purifiés et sauvés. Le tempérament satanique de ceux qui rejettent la vérité ne changera pas. C'est sûr. Ils continueront donc de résister à Dieu. Eh oui. Dans l'église de Dieu Tout-Puissant, certaines personnes qui étaient hostiles à la vérité ont été complètement démasquées. Ces non-croyants et ces antéchrists ont été éliminés et exclus. Amen. En ce qui concerne les pasteurs et les anciens, pourquoi ils blasphèment et condamnent Dieu Tout-Puissant délibérément? N'est-ce pas parce que Dieu Tout-Puissant exprime de nombreuses vérités et parce qu'il a sauvé un groupe de gens? Si. L'œuvre de Dieu Tout-Puissant les a démasqués, et donc ils haïssent Dieu et le condamnent. Leur nature satanique est complètement dévoilée. Il a raison. Pourquoi Dieu déteste-t-il et maudit-il les antéchrists démasqués? C'est parce qu'ils essaient de prendre à Dieu son peuple élu, en prenant le contrôle des brebis de Dieu qui sont entre leurs mains. Et en empêchant les gens de recevoir la vraie voie, ils sont en train de bâtir un royaume et de devenir des démons qui nuisent aux vies humaines. Ils sont condamnés et maudits par Dieu parce qu'ils ont offensé le tempérament de Dieu. Amen. Dites-moi, vous êtes d'accord avec moi? Oui, évidemment qu'on est d'accord. Sur quoi se fondent les pasteurs et les anciens pour condamner Dieu Tout-Puissant? C'est de ça qu'on va discuter maintenant. Tout d'abord, il n'est pas fait mention de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans la Bible. Pour eux, la parole de Dieu est entièrement dans la Bible, et elle n'existe pas en dehors de la Bible. Par conséquent, ils nient l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Deuxièmement, ils ne comprennent pas comment les prophéties de la Bible peuvent s'accomplir. Exactement comme les pharisiens, ils ne suivent que la règle. Malgré la profondeur du sermon prononcé par le Seigneur Jésus et la vérité de ce qu'il a dit, ils n'ont pas hésité à le condamner, lui résister et même le crucifier, juste parce qu'il n'était pas appelé le Messie. Troisièmement, ils ne reconnaissent pas le Christ fait chair et n'admettent pas non plus que Dieu peut devenir chair. Selon l'apôtre Jean, ce sont des antéchrists. C'est sûr. Enfin,
Ils se fondent sur les mensonges proférés par le gouvernement du PCC pour nier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Ils prennent même parti pour le PCC et sont impatients de le voir bannir l'Église de Dieu Tout-Puissant. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Exactement ce qu'a fait le pasteur Kian. Une question se pose alors. Pourquoi le Seigneur Jésus n'est pas allé à la synagogue quand il prêchait et qu'il œuvrait ? Pourquoi il a cherché dans le désert quelqu'un qui était conforme à Dieu ? Est-ce que l'un d'entre vous connaît la réponse ? À la synagogue, Seigneur Jésus se serait fait expulser. Oui, c'est ça. Si le Seigneur Jésus était allé à la synagogue, les dirigeants juifs l'auraient sûrement livré aux autorités. Vous avez tout à fait raison. Si l'un d'entre nous allait à l'église pour témoigner de Dieu Tout-Puissant, quel serait le résultat ? Sûrement négatif. Il nous dénoncerait certainement à la police. C'est sûr. Quelle conclusion on peut en tirer ? Que les religieux sont vraiment lamentables. Ils croient au Seigneur sans le connaître. C'est vrai. Ces pasteurs et ces anciens, ils sont tellement malveillants. Ils n'hésiteraient pas à renier le Seigneur. Comment on aurait pu s'attendre à ça ? À présent, on voit enfin le vrai visage des pasteurs et des anciens. C'est malheureusement vrai. Il est évident que les pasteurs et les anciens détestent la vérité. C'est vrai. Ce n'est pas étonnant qu'ils résistent à l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Les pasteurs et les anciens prennent tellement de plaisir à parler de leurs connaissances, tout ce qui les intéresse, c'est de se mettre en valeur. C'est vrai. Ça leur plaît énormément quand on les flatte. C'est pour ça qu'ils s'entourent de flatteurs. Ils adorent ça. Mais tu as raison, Alain. Ce dont je suis sûr, c'est que sans l'œuvre de Dieu Tout-Puissant pour les démasquer, on ne s'en serait jamais rendu compte. Tu as raison. Les pasteurs et les anciens résistent à Dieu Tout-Puissant, comme les pharisiens résistaient au Seigneur Jésus. C'est tellement flagrant. Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas vu plus tôt ? C'est vrai. Rendez-vous compte. On a écouté leur sermon pendant des années et on ne comprenait pas du tout la vérité. C'est vrai, oui. Sans la venue de Dieu Tout-Puissant parmi nous, pour lever le voile sur les raisons qui expliquent pourquoi les pharisiens, les pasteurs et les anciens résistent à Dieu, est-ce qu'on se serait aperçu qu'ils ne sont rien que des serviteurs malveillants qui détestent la vérité ? Tu as raison. Certainement que non. On serait toujours autant bercé d'illusions. Et pendant ce temps, on continuerait à résister à l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. On les aurait même suivis, en condamnant Dieu Tout-Puissant. Ça aurait pu très mal se finir. Remercions Dieu Tout-Puissant qui a eu pitié de nous. Il nous a délivrés du contrôle de ces pasteurs anciens qui sont des antéchrists. C'est vrai. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. Au fil des années, j'ai souvent entendu parler de l'éclair oriental et du retour du Seigneur Jésus. J'ai aussi entendu qu'un grand nombre de bonnes brebis avaient accepté Dieu Tout-Puissant. C'est vrai. Mais en fait, j'adorais les pasteurs et les anciens. Et je gobais toutes leurs inepties sans réfléchir. Je n'osais pas étudier la vraie voie. Je ne croyais pas au Seigneur et je ne le suivais pas. Je ne faisais qu'adorer l'homme et suivre l'homme. Je ne me rendais même pas compte que ceux qui avaient failli m'envoyer en enfer m'avaient dupé. Exact. Les pasteurs et les anciens sont les pharisiens contemporains. De vrais démons qui nous empêchent d'entrer au royaume des cieux. Oui, amen. Ce sont des démons. Ils sont mauvais. Frère Zong, Sir Cheng, Zong Mingela, ils vous cherchent. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive, Xiaoming ? Pas, man. La police est passée chez nous. En 5 minutes, ils ont tout saccagé. Grand-père va bien. Oui, comment va grand-père ? Grand-père va bien. J'ai fait le chemin pour vous dire de ne surtout pas rentrer. Ne pleure pas, tout ira bien. Tu ne peux plus rentrer à la maison. Tu dois trouver un endroit où te cacher. Xiaoming. Tu es un homme maintenant. Tant que je ne serai pas à la maison, tu devras croire en Dieu et rechercher la vérité.
prends bien soin de ton grand-père. Pa. Pa. Compte sur moi. De ton côté, prends soin de toi aussi. Maman. Pa. Il faut que je rentre. Fais attention à toi. Et prends soin de grand-père. Ne t'inquiète pas. Prends soin de toi. Le gouvernement communiste chinois n'hésite pas à condamner Dieu. C'est un démon, ça ne fait plus aucun doute. Quant aux pasteurs et aux anciens, ce sont des antéchristes qui détestent la vérité. Alors, pourquoi est-ce que Dieu Tout-Puissant ne les détruit pas simplement? Si Dieu Tout-Puissant les détruisait, l'impact serait positif. Les membres de la communauté religieuse étudieraient la vraie voie et accepteraient Dieu Tout-Puissant. C'est un peu flou pour moi, je ne comprends pas ce choix. Vous pourriez nous expliquer la vérité sur cet aspect des choses? Oh oui, s'il vous plaît, parlez-nous-en. L'œuvre de jugement de Dieu a une portée considérable. Oui. La toute-puissance de Dieu est inconcevable par l'homme. Lorsqu'il accomplit son œuvre de jugement, Dieu commence par former un groupe de vainqueurs. Ainsi, il va commencer par conquérir, rendre parfait et sauver un groupe de personnes qui est réuni en lui par le cœur et l'esprit. Cela était prédestiné depuis toujours. Amen. 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 Créer un groupe de vainqueurs n'est pas une simple affaire. Dieu doit tout manœuvrer dans son projet de rendre ce groupe parfait. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus a annoncé que lorsqu'il reviendrait, il devrait souffrir beaucoup et serait rejeté par cette génération. Le groupe des vainqueurs constitué par Dieu se compose de ceux qui suivent l'agneau tout le long du chemin et endurent eux aussi de nombreuses épreuves. Elles sont nécessaires. Comment et pourquoi ces épreuves surviennent-elles? D'une part, notre tempérament corrompu exige que nous endurions des épreuves face au jugement. Oui. D'autre part, la plupart de ces épreuves proviennent de la calomnie, de la persécution, du gouvernement communiste chinois et de la communauté religieuse. Au travers de ces souffrances, nous serons rendus parfaits et purifiés. Et Dieu recevra notre témoignage. Amen. En même temps, Dieu s'en servira pour démasquer ceux qui ont peur d'accepter la vraie voie. Et les hommes mauvais aussi, les non-croyants et les antéchristes, qui haïssent de la vérité et lui sont hostiles. Dieu distinguera les types de personnes. Ça montrera la sagesse et l'omnipotence de Dieu et révélera ses accomplissements merveilleux. Amen. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Quelques passages abordent ce sujet dans la parole de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit : dans la nation du grand dragon rouge, j'ai réalisé une étape d'œuvre insondable. Pour les êtres humains, les faisant chanceler. Dans le vent, après quoi beaucoup s'éloignent tranquillement avec le souffle du vent. Vraiment, c'est l'air de battage que je veux dégager. C'est ce à quoi j'aspire, et c'est aussi mon plan. Amen. Car beaucoup de méchants se sont faufilés, tranquillement, pendant que j'accomplis mon œuvre. Mais je ne me presse pas de les chasser. Au contraire, je les disperserai quand le moment sera venu. Ce n'est qu'après cela que je serai la source de vie, afin que ceux qui m'aiment vraiment reçoivent de moi le fruit du figuier et le parfum du lys. Amen. Dans le pays où Satan habite, terre de poussière, il n'y a pas d'or pur, mais seulement du sable. Donc, face à cela, je réalise une telle étape d'œuvre. Vous devez savoir que ce que je gagne, c'est de l'or pur raffiné, pas du sable.
Comment les méchants peuvent-ils rester dans ma maison? Comment puis-je permettre aux renards d'être des parasites dans mon paradis? J'emploie toutes les méthodes imaginables pour les chasser. Avant que ma volonté ne soit révélée, personne ne saura ce que je compte faire. Saisissant cette opportunité, je chasse ces méchants. Et ils sont forcés de me quitter. C'est ce que je fais aux méchants. Mais il viendra encore un jour où ils me serviront. Le désir des bénédictions pour les hommes est beaucoup trop fort. C'est pourquoi je retourne et je montre mon visage glorieux aux païens, afin que tous les hommes vivent dans un monde qui leur est propre et se jugent. Tandis que je dis les paroles que je dois dire et je donne aux hommes ce dont ils ont besoin. Quand les hommes reprendront leur esprit, j'aurai étendu mon œuvre depuis fort longtemps. Ensuite, j'exprimerai ma volonté aux hommes et commencerai la seconde partie de mon œuvre sur les hommes, laissant tous les hommes me suivre de près, afin de prendre part à mon œuvre, et amenant les hommes à faire tout ce qui est leur possible afin de réaliser avec moi l'œuvre que je suis censé faire. Amen. Remercions Dieu. La sagesse de Dieu est si profonde. Dans mon plan, Satan a toujours été à mes trousses. Et comme le faire valoir de ma sagesse, a toujours essayé de trouver des moyens pour perturber mon plan original. Mais pourrais-je succomber à ces complots trompeurs? Tous, dans le ciel et sur la terre, me servent. Les complots trompeurs de Satan pourraient-ils être différents? C'est précisément l'intersection de ma sagesse. C'est précisément ce qui est merveilleux dans mes actes. Et c'est le principe par lequel mon plan de gestion entier est exécuté. Amen. Amen. Pendant le temps de la construction du règne, je n'évite toujours pas les complots trompeurs de Satan, mais continue à faire l'œuvre que je dois faire. Parmi toutes les choses dans l'univers, j'ai choisi les actions de Satan comme mon faire-valoir. N'est-ce pas cela, ma sagesse? N'est-ce pas précisément ce qui est merveilleux au sujet de mon œuvre? Amen. Quand je commence officiellement mon œuvre, tous les gens se déplacent comme je me déplace. De sorte que les gens à travers l'univers s'occupent en phase avec moi. Il y a de la jubilation à travers l'univers. Et l'homme est stimulé par moi. En conséquence, le grand dragon rouge lui-même est fouetté dans un état de frénésie et de confusion par moi. Et sert mon œuvre, et malgré qu'il soit réticent, il est incapable de suivre ses propres désirs, ce qui ne lui laisse aucun autre choix que de se soumettre à mon contrôle. Dans tous mes plans, le grand dragon rouge est mon faire-valoir. Mon ennemi est aussi mon serviteur. En tant que tel, je n'ai jamais relâché mes exigences pour lui. Par conséquent, la dernière étape de l'œuvre de mon incarnation est accomplie dans sa maison. De cette façon, le grand dragon rouge est plus apte à faire convenablement du service pour moi, à travers quoi je le conquérirai et finirai mon plan. Amen. Amen. Puis-je continuer? Bien sûr. Dieu Tout-Puissant dit: Dieu a l'intention d'utiliser une partie du travail des esprits du mal pour parfaire une partie de l'homme, afin que ces hommes puissent complètement déjouer les actions des démons et permettre à tous de vraiment comprendre leurs ancêtres. C'est seulement de cette manière que les humains pourront se libérer complètement, non seulement en abandonnant la postérité des démons, à plus forte raison leurs ancêtres. C'est l'intention originelle de Dieu en écrasant complètement le grand dragon rouge pour que tout homme connaisse la véritable forme du grand dragon rouge, arrachant complètement
son masque et voyant sa vraie forme. C'est ce que Dieu veut accomplir et c'est son but final sur la terre pour lequel il a tellement œuvré. Il vise à accomplir cela en tout homme, ceci est connu. Comme la manipulation de toute chose en vue du dessein de Dieu. Amen. Remercions Dieu. Oui. Oui, remercions Dieu. Une fois que les hommes auront tous été rendus complets, et toutes les nations de la terre seront devenues le royaume de Christ, ce sera alors le moment où les sept tonnerres gronderont. Le jour en cours est un pas en avant vers cette étape. La charge a été déclenchée pour le temps à venir. C'est le plan de Dieu. Il sera réalisé dans un proche avenir. Amen. Cependant, Dieu a déjà accompli tout ce qu'il a dit. Ainsi, il est clair que les nations de la terre ne sont que des châteaux dans le sable tremblant. À l'approche de la haute marée, le dernier jour est imminent et le grand dragon rouge s'effondrera sous la parole de Dieu. Amen. Grâce à Dieu. Pour veiller à ce que le plan de Dieu soit réalisé avec succès, les anges du ciel sont descendus sur la terre, faisant tout leur possible pour satisfaire Dieu. Le Dieu incarné lui-même s'est lancé sur le champ de bataille pour mener la guerre à l'ennemi. Amen. Partout où l'incarnation apparaît, ainsi l'ennemi est détruit de cet endroit. La Chine est annihilée en premier, dévastée par la main de Dieu. Amen. Amen. Dieu n'a absolument aucune pitié pour la Chine. Amen. Remercions Dieu. Grâce à Dieu. Vous vous souvenez peut-être tous de ces paroles. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Dans le passé, vous avez tous entendu cet énoncé. Pourtant, personne n'a compris la vraie signification de ces mots. Aujourd'hui, vous comprenez bien la signification réelle qu'ils ont. Ces mots sont ce que Dieu accomplira dans les derniers jours. Et ils seront accomplis pour ceux qui sont cruellement affligés par le grand dragon rouge dans le pays où ils se trouvent. Le grand dragon rouge persécute Dieu et est l'ennemi de Dieu. Ainsi, dans ce pays, ceux qui croient en Dieu sont soumis à l'humiliation et à la persécution. C'est pourquoi ces mots deviendront une réalité dans votre groupe de personnes. Amen. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Comme l'œuvre est exécutée dans un pays qui s'oppose à Dieu, toute son œuvre est confrontée à un obstacle démesuré. Et beaucoup de ces paroles ne peuvent être accomplies en temps opportun. Par conséquent, les gens sont raffinés à cause des paroles de Dieu. Cela aussi est un élément de la souffrance. Il est très difficile pour Dieu de faire son œuvre dans le pays du grand dragon rouge. Mais c'est par une telle difficulté que Dieu accomplit une étape de son œuvre. Pour manifester sa sagesse et ses merveilles, Dieu saisit cette opportunité pour rendre ce groupe de personnes complet. Amen. Amen. Remercions Dieu. À cause de la souffrance des hommes, de leur calibre et du tempérament satanique des personnes dans ce pays impur, Dieu fait son œuvre de purification et de conquête, afin que, de là, il puisse gagner la gloire et gagner ceux qui témoignent de ses actes. C'est la pleine signification de tous les sacrifices que Dieu a faits pour ce groupe de personnes. Amen. C'est-à-dire, Dieu fait sa conquête par ceux-là même qui s'opposent à lui. Par conséquent, cela seul peut manifester la grande puissance de Dieu. En d'autres termes, seuls ceux qui sont dans le pays impur sont dignes d'hériter de la gloire de Dieu, et cela seul peut donner de l'importance à la grande puissance de Dieu. Amen. Amen. Oh, oui. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant ont exprimé ces choses. Oui, Dieu est tellement sage et omnipotent. Amen. C'est vrai. Dieu a dit que, quand viendrait la catastrophe, la Chine serait la première détruite. Qu'est-ce que c'est exaltant! Oh oui, grâce à Dieu! On dirait bien que le grand dragon rouge n'est en fait qu'un petit lézard. C'est vrai. Oui. Le jour de son jugement approche. Vous savez maintenant qu'il n'est pas facile pour Dieu de rendre un groupe de gens parfaits. Pour comprendre tous les mystères que cette entreprise renferme, il faut faire l'expérience de l'œuvre de Dieu. Pour servir son plan de gestion, Dieu déploie tous les moyens possibles. Dieu est omnipotent et sage. Amen. Amen.
On ne peut pas s'en rendre compte sans faire l'expérience de l'œuvre de Dieu. Oui. Peu importe les périls du chemin, vers le royaume des cieux, nous devons suivre Dieu. Amen. Amen. Ces mots sont écrits dans l'Apocalypse. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes. Comme des prémices. Pour Dieu et pour l'agneau. Amen. Amen. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Amen. Maintenant, je comprends que ces mots font référence à la perfection de ceux qui suivent Dieu Tout-Puissant. Exact. Aussi périlleuse soit la route vers le royaume des cieux, nous devons suivre le Christ. Amen. Amen. Le jour où la Chine sera détruite par Dieu, nous aurons compris la justesse de son tempérament. Amen. Et nous connaîtrons sa toute-puissance et sa sagesse. Amen. Ces vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant seront accomplies une par une. Souvenez-vous de ce qu'a dit le Seigneur Jésus. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu Tout-Puissant. Maintenant Dieu est revenu dans le monde pour faire son œuvre. Et son premier arrêt est le grand rassemblement de dictateurs. La Chine, le puissant bastion de l'athéisme. Par sa sagesse et sa puissance, Dieu a gagné un groupe d'hommes. Pendant ce temps, le parti régnant en Chine, le bourg chasse par tous les moyens. Il endure de grandes souffrances et sans abri ou lieu de repos.